Je rate une cinématique. Regardez. Ouais. Oh, sa mère. Calmez-vous, calmez-vous. OMG, OMG. Ok, c'est bon, on est parti, la team, on est parti. La cinématique à 30 FPS, évidemment, qui régale. Ça va être la grosse bagarre. Samouraï, tout ça. Ok, j'aime bien. Le mec joue à mon jeu préféré en cachette. À ce point-là, putain, mais les gars, vous êtes en train de me hyper, hein. Eh, en vrai de vrai, je vais pas vous mentir. Quand j'ai acheté le jeu et tout, je me suis dit, c'est vrai qu'il a de la gueule. C'est vrai qu'il a de la gueule. Le petit air Sekiro, là. Si vraiment c'est efficace, j'ai hâte de voir. Oui, encore la musique, putain, mais je vais couper. Merde. Je dis bien, il y a les deux musiques en même temps. Alors, à quoi ça ressemble, tout ça? J'ai pas spécialement... Bah, de ce que j'ai vu, le 1 et le 2, ils sont vraiment ultra identiques, hein, de ce que j'ai vu. C'est pour ça que les gens, j'hésitais entre jouer au 1 ou au 2. Et de ce que j'ai compris, no spoil, no backseat. Ouais, évitons le spoil et évitons le backseat. Bon, après, je vais pas faire la police non plus. Franchement, je m'en fiche, mais je... Le mieux, c'est... Enfin, l'objectif, c'est de me laisser découvrir un maximum. Bon, alors attendez, je regarde mes raccourcis. En fait, c'est peut-être ça qui me pèse, mes raccourcis. Comment on peut enlever les raccourcis sur ce truc de con? Parce qu'il y a l'air d'avoir la superposition en plus. Bon, désolé, là, je fais un peu mes réglages. Que pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, quand je fais un skip sur Dark Souls 3, j'ai un raccourci qui ne fonctionne pas. J'ai un raccourci qui bloque mon truc. Et j'ai peur que ce soit en fait GeForce, mais je sais plus où on gère les raccourcis. Quel enfer. Bon, je devrais gérer ça plus tard. Hein. Ouais, vas-y, je m'en fous. Ouais, pardon, désolé. Allez, hop. Allez, hop. Alors, si je mets le jeu en plein écran, ça marche ou pas? Bim, bim, bim. Ouais, le 2, c'est le 1. C'est le 1 en meilleur sur tous les points, je trouve. Ouais, c'est ce que j'ai cru. C'est ce que j'ai cru lire parmi les infos que j'ai, enfin, que j'ai trouvé, enfin, que j'ai cherché pendant 10 minutes hier. Donc, écoutez, un plaisir. Ok, sauvegarde automatique, on va jouer clavier souris. Bon, ça, on va se débrouiller un peu plus tard. Ok. Icône clavier souris, oui, top. Comment on fait pour s'en aller? Ok. Ok, chef. Ah, c'était clic gauche, d'accord. Luminosité de l'écran, on va le laisser par défaut, je m'en fiche un peu. Enfin, on voit un truc, là. Ajuster l'image jusqu'à ce que ça soit à peine visible. Oh, c'est quoi? Wesh. C'est quoi ce dessin? Il est marrant. Ok. Elle est à peine visible, hop, parfait, ça c'est bien. Vivant. Et merci, Mr. Kems, pour le nouveau mois de sub. C'est ton tout premier mois, si je dis pas de bêtises. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Voulez-vous terminer la configuration des paramètres et vous rendre à l'écran titre? Oui. Alors, configuration standard et avancée peuvent être modifiées dans le système. Ok. J'ai absolument rien préparé. Déjà, en tant que bon joueur PC, quel est le premier réflexe à avoir? Évidemment, paramètres, vidéo. Ils sont où les paramètres vidéo? Très très important, c'est très important. Oh, attendez. Voix japonais, ok, Frontex français, ils ont déjà pensé à mettre ça. Hop, hop. Paramètres d'image? Non. Si? Non. Si? Non. Alors ça, si tu peux me le monter. Quoique, ouais non, je vais le monter, on s'en fout. C'est tout? OMG, OMG. Mais au max! Mais au max! Mais au max, chef! Et on enlève le fou de mouvement parce que c'est de la merde. Non, c'est quoi? C'est ça le max? What? Oh là là, c'est à l'ancienne, hein. C'est à l'ancienne, OMG. Reflet, activé, ça, y a pas plus, non. À fond! À fond! Shadow Play Highlight, qu'est-ce que c'est que ce machin? DLSS! Bah, j'imagine que j'en ai pas besoin, même si je peux m'en servir si jamais j'ai besoin. Ok, top. Pourquoi le menu il tourne à 30 FPS? Bah, c'est normal, t'as laissé à 30 FPS. Ah, ok. C'est pour ça que le menu il tourne à 30 fps. Ok, je comprends mieux la team. Je comprends mieux. Ah, oui. Ah oui, ça va mieux d'un coup. Ah oui, en effet, ça va mieux. En effet, ça va mieux. Ok, désolé. Je valide pour le flou de mouvement, c'est affreux. Ouais, mais il y a le flou de mouvement et il y a l'effet de flou à longue distance aussi. Tout ça, c'est des trucs qu'il faut toujours enlever. J'ai jamais compris pourquoi c'était en place dans les jeux. Ok. Puis je pense qu'on a fait le tour, hein. Alors, est-ce que je pourrais pas monter la musique vite fait? Je vais gérer les paramètres audio. Hop, juste ici, ce sera parfait. Hop là. On va monter à 20%. Écoutez, je pense qu'on est prêt pour lancer l'aventure. Donc, je sais pas jusqu'où ça va nous mener, ces bêtises. J'espère que vous allez apprécier le contenu. Écoutez, sur ce, nouvelle partie. OMG. Ah putain, l'embac, je suis mort. Ok, OMG cinématique. Merde, j'ai oublié d'activer les sous-titres. Fais chier, je suis sûr, ils vont pas être mis par défaut. Ou pas. Ils sont là. Yes.
人々を恐れられ、ひどい目にあってからは人々を襲い始め、ついには鬼と呼ばれます。 Ah putain, Yirzo, ça me met bien. そこである若者が鬼に立ち向かいます。 C'est pas les événements du 1 par hasard? Je sais même pas si l'histoire est liée entre les deux. Oh, c'est l'épée du... du dragon divin de Sekiro. Ok, ok, le démon de la haine, tout ça. L'épée du dragon divin, ouais, je pense que c'est Sekiro, ouais. Ouais, je pense que c'est Sekiro, ouais. F là, madame, F. Ok, bon, mise en place simple. Il y avait Ishin là. Wesh. Wesh. C'est dans Naruto, ça, je reconnais. Rentre au village. Le sang. Ah, putain. Le chat, quoi, bordel de merde. Ok, ok. Donc, si j'ai bien compris, on était petits, on s'est fait péter la gueule. Vous inquiétez pas, hein, je vais simplifier le lore en temps réel et je vais tout comprendre d'un coup. Personne n'est prêt. Personne n'est prêt, chat. Vous êtes, personne n'est prêt pour le. Oh là là. OMG. Non, jure, faut faire son personnage. Oh, j'ai carrément la flemme. Quoique. On fait Blue Guy ou. Ah putain, merde. Non, il y a vraiment un éditeur de personnages. Oh là là. Oi, oi, oi. Non, 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 non. Ne dis pas qu'on peut pas faire Blue Guy quand même. Non. Non. FF, on peut pas faire Blue Guy. FF. Allez, c'est poubelle, le jeu, on l'arrête. Non, mais on peut pas faire Blue Guy, chef. Ouah, ça dégoûte. Voilà. Enfin, tu sais quoi, regarder la tête par défaut. De toute façon, si on peut pas, si on peut pas faire Blue Guy, à quoi bon? À quoi bon si on peut pas faire Blue Guy, honnêtement? Ah. Déjà un premier point noir qui tombe pour ce Nioh 2ème du nom, bien sûr. Impossibilité de créer un personnage tout en aléatoire. Oh. 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 Ouais, en vrai, ça marche bien le truc aléatoire. Je pense pas qu'on va tomber sur Blue Guy. Hein. Hop là. Non. Hop là. Non. En vrai, j'aurais peut-être préféré garder celui par défaut, en fait. Ah, putain. J'aurais peut-être préféré garder celui par défaut. Hop, hop, hop. Il n'y a pas un qui ressemble à un chimiste, un peu, là? Attendez. Attendez. Est-ce qu'on peut trouver un mec qui ressemble à un chimiste? Bien qu'on peut. Lui, non. Lui, il fait pas très chimiste, lui. Il y avait des lunettes, un moment. Un samouraï chimiste. Mec. Oh, lui avec des lunettes de chimiste, mec. Tu vois, il est balafré et tout. Oh non, c'est plus un soldat, j'ai n'importe quoi, là. Ouais, non, c'est compliqué, cette affaire. Hein. C'est compliqué, cette affaire. Hein. Mais c'est moi où on retombe sur les mêmes à chaque fois. Oh, bah voilà. Avec sa monocle et tout. Allez, parfait. Mais j'ai l'impression qu'on retombe sur les mêmes à chaque fois. Allez, c'est bon, j'ai perdu assez de temps dans le menu de sélection des personnages. Allez, on file, hein, c'est bon. C'est bon, hein, top les bêtises, dis donc. Il y avait Chubby.
Vis et deviens fort. Salut Taki, bien le bonjour à toutes les personnes qui arrivent sur le stream. On est parti pour 2 heures en mode full détente, enfin un peu moins de 2 heures maintenant. OMG. OMG. La sensibilité, c'est une dinguerie. Calmez-vous, monsieur. Paramètres clavier souris. Sensibilité normale. Déjà. Oh. C'est un peu élevé quand même. Hein. C'est un peu élevé quand même. Enfin, on va faire la technique de Dark Souls 3. Je vais baisser la sensi là et je vais la monter ici. Hop, hop, merde. Et c'est bon. Hop, hop. Ah, ah. Attendez, attendez. Je suis quand même vraiment la sensi, elle est énervée, chef. Chef, chef. Quoi cette sensi de fou encore là? Oh mon dieu. Ah, c'est le problème du clavier souris, c'est qu'on est à chaque fois obligé de gérer les touches comme jamais là. Quel enfer. Ah, ah, ça c'est pas mal ça. Un peu lent. Un peu lent, 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 un peu lent. Ah, quel enfer. Ici. Je peux avoir un truc à peu près bien. Ouais, ça c'est pas mal. Allez hop, c'est parti. Petit item. L'objectif est affiché sur la carte. ZQSD pour se déplacer. Oh, il est lent, mon perso. You. Il est un peu lourd, mon perso, pour se déplacer, là. C'est pas forcément super agréable. Il a vraiment... Waouh. Il fait que glisser, c'est un peu relou ça, mais bon, c'est pas grave. Après ça, c'est un truc qui est typique des jeux FromSoft. Les jeux FromSoft, c'est peut-être les seuls où on peut vraiment faire des demi-tours instantanés quand on sprint pas. Et du coup, quand on joue à des jeux qui sont un peu plus lourds là-dessus, c'est vraiment un truc qui se sort de fou. Sachant qu'on joue à fond d'ailleurs sur le fait de pouvoir faire des demi-tours comme ça instantanés. Donc c'est un peu bizarre. Ok, espace pour sprinter, au moins ça colle avec Dark Souls 3, tant mieux. Ou Elden Ring. Elle est où la carte? Elle est là-haut? Quoi ces machins? Ah merde! Je peux choisir une arme, d'accord. Choisir le tonfa, c'est quoi ce truc? Une lance là? Bâton scindable. Choisir les points. Choisir les hachettes. Wesh! Oh la faute Fried! Le glaive. Double katana. Grand katana. Et katana simple. Ok. Moi j'ai vu une grosse hache, évidemment j'ai envie de cliquer. Évidemment j'ai envie de prendre la grosse hache, bien sûr. Après, il y a les points aussi. Ça peut être marrant de mettre des grosses patates. De jouer aux patates, ça peut être marrant. Les hachettes aussi. Comme un putain de singe. C'est vrai que c'est une bonne idée. Le fouet, non. Le glaive, non. Double katana, non. L'énorme couteau, quand même. Vraiment, avoir un énorme truc d'acier tout fin, ça me fait quand même un peu rire. Pardon, le katana, c'est mort. Lance, c'est mort. Donc, mon choix, chat. Chat, on est sur un choix extrêmement important. La hache me fait de l'œil, évidemment c'est une hache. Les points me font de l'œil, évidemment, pour faire la grosse bagarre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La double hachette en mode bunky, ça me fait de l'œil aussi, c'est marrant. Et il y a le gros katana, l'espèce de gros bout de métal bien long là. Regardez, en fait, il faut choisir son arme par rapport à celle qui s'élève le plus haut. Donc, non, à celle qui a le plus de métal qui s'élève le plus haut. Donc vous voyez, là, on a du métal qui s'élève jusqu'à... merde, comment on peut mettre le menu? On a du métal qui s'élève juste ici, ok? Tu regardes les hachettes, hop, les hachettes elles sont là. Les hachettes, vous voyez, il y a une grosse concentration de métal juste au bout des lames. Donc c'est pas forcément top top, vous voyez. Mais après, il y a quand même une grande concentration. Ici, vous voyez, on a une arme composée uniquement de métal. Du coup, ça fait plaisir, vous voyez, évidemment. Et au niveau de la hache, là, le but, c'est de mettre de métal uniquement, genre, sur une base. Dans cette logique, il faut choisir... à votre avis, c'est laquelle l'arme qui pèse la plus lourde? qui pèse le plus lourd? À votre avis, c'est laquelle? Si on pèse un peu. L'Odachi, je sais pas si c'est le plus lourd. En vrai, il est quand même marrant, ce machin. Un gros truc comme ça, ça a l'air marrant. Après, il y a la hache. La hache, elle doit être bien lourde aussi, quand même. Elle doit être bien lourde. Après, il y a les points aussi, parce que est-ce qu'on a pas envie de mettre des patates un peu dans l'ennemi? Je vois la Odachi, la hache et tout. Écoutez, je pense qu'il est l'heure d'effectuer un sondage. On va choisir entre l'Odachi... Ah, il y a les petites machettes aussi. Ouais, les petites machettes, en vrai, c'est marrant. Ok. Ah, bah mince, il y a un sondage qui est parti, j'ai même pas eu le temps de le faire, ça dégoûte. C'était quoi les propositions? Katana, point... Oh, en plus, il n'y avait pas des propositions qui m'intéressent. Non. On va faire un vrai sondage. Je vais vous produire un sondage, la team. Quoi? On prend quoi entre la grosse hache? Merde, je me suis trompé. Merde. Alors, la hache. Boum. L'Odachi,
Squeak. Merde. Quick. Quick. Les hachettes. Hachettes. Bonk. Bonk. Merde, comment on écrit bonk? Bonk. Bonk. Et le dernier, c'était les points. Hashtag Doumbé. Pas très bien. Hashtag Doumbé. Hop, parfait. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Je sais pas écrire point à l'aide. Non, c'est bon. Hachette Odashi. Ouais, il y avait ça. Allez-y. Vous avez une minute pour voter sur le sondage qui est présent sur le chat Twitch. Quelle arme je vais sélectionner? Donc, actuellement, on a donc l'Odashi qui est ce machin-là, un fil de métal super grand. Moi, j'aime bien le délire. On a les hachettes. On va pouvoir faire des gros boom-boom avec. Ça va être très marrant. On a les points en mode Doumbé, Tar, la MMA, vous connaissez. Et enfin, on a la grosse hachette, arme qui doit peser son poids et qui doit donc bien frapper comme il faut. Boum-boum. Alors, pour l'instant, on a des votes. On a des votes qui partent du côté de l'Odashi avec 47%. Il vous reste environ 25 secondes pour voter, 20 secondes pour voter. Les points sont, eux, derrière avec 33%. La hache et les hachettes ne sont pas forcément l'arme préférée. Enfin, sont clairement derrière dans le classement. Donc, ça joue clairement entre l'Odashi et les points. Vous avez encore 10 secondes pour voter. C'est l'Odashi qui est devant. Est-ce que les points vont réussir à passer devant? Donc, l'Odashi, c'est ce katana-là énorme. Et les points, c'est la bagarre. 41-39, il reste que quelques secondes, est-ce que c'est fini? Oui, c'est complètement terminé, c'est complètement l'Odashi qui remporte les votes à 5% près, alors que les points, ils ont failli come back. Écoutez, c'est parti. Bon, après, ça se trouve, j'ai choisi pendant 1000 ans, mais on peut changer à chaque fois où il y a deux armes, j'ai pas pensé à ce détail. Attaque faible, attaque forte. Ça charge pas? Oh, c'est de la merde. Ok. Ok, ah, il y a la barre d'endurance là-haut. Ok. Tout se gère en combo, ça marche. Donc ouais, c'est attaque légère, attaque forte. Je vois un peu comment ça marche. Merci beaucoup, Neyrod, pour le troisième mois de tier 1. C'est très gentil. Merci beaucoup pour le soutien. Merci aussi pour les follow. Patex et Hugues Like, c'est très gentil. Bienvenue à vous dans le laboratoire. Allez, on se casse. Ah, il y a un délire de posture aussi, là. Regardez, en bas à droite, il y a un délire de posture. Vous le voyez, hein? C'est vrai que j'ai pas fait attention, mais il y a un monde où ma caméra, elle est au-dessus de... Elle est au-dessus des trucs. Merde, d'ailleurs, il faut aller à l'objectif sur la carte, donc ça doit être là-bas. Ah non. Merde. D'où la suite. Et c'est par là. Petit flop. Petit flop. Oups. Tu peux en prendre deux. Ah, faut en prendre un deuxième. Ah bah on va prendre les points alors. Arme de mêlée. Pourquoi il me dit d'appuyer sur... Ah, on peut changer. Shift 1. Sérieux, c'est quoi ce bind de con là? Ah d'accord. Oh, oh, mais on peut en prendre deux. Bon, bah, du coup, il y a le deuxième vote qui passe. Et on est bon après ou c'est... Ouais, il y a un truc qui est apparu là. Je vais le choper. Ok. Donc, double bonus de force. T'as déjà. Vous voyez, il y a un indicateur qui permet de savoir si on a fait le bon choix ou pas. Si les bonus qu'on prend, c'est deux points de force en choisissant, du coup, les bonnes armes, ça veut dire que c'est validé. Parfait. Bah écoutez, du coup, on va continuer, hein. Voir didacticiel. Je vais peut-être aller voir le didacticiel. Il peut me le donner. Ah non, c'est ici le didacticiel. Bon, bah on se casse. Ok. Hein? Ah non. Ah! Attaque faible, attaque forte. L'attaque faible est rapide et consomme peu de ki. Donc le ki, ça doit être l'endurance. Mais elle n'inflige que de légers dégâts. L'attaque forte est puissante mais consomme plus de ki et abaisse votre garde. Ok, il y a un système de garde. Votre ki atteint 0. Vous ne pourrez plus attaquer jusqu'à ce qu'il soit restauré. Ok. Oh, wesh. Comment, Locke? Stab? Oh, tiens, prends ta part, toi. Merde, plus d'endu. Pourquoi on lock pas? Quel enfer. Ok. Top. Vous pouvez passer au didacticiel suivant. Verrouiller F. Ah, bah justement, c'est là tout ce que je cherchais. Changer de cible en bougeant la molette. Parfait. Lorsque vous verrouillez une cible, votre caméra reste figée sur elle. Fixée sur elle. Cela permet de... Ok. C'est bien. Parfait. Elle est où? Je change d'arme. Hop. Et là, on est parti. Ok. Wow. Je vais changer, je vais mettre le clic molette. Je sais pas si le clic molette il est en place. F. Pourquoi F? J'ai une bêtise?
Ah merde, j'ai oublié d'enlever les annonces Wisebot. Attendez, je vais les enlever parce que ça n'a plus de sens. Désolé. Désolé, je vais enlever ça. Hop. Je peux faire ça vite fait, rapidement. Boum. Alors. Hop. Mes annonces, j'enlève celle-ci et j'enlève celle-ci. Ah non, les ventes, faut que je le garde, je suis bête. Parfait. Désolé pour la petite bêtise. Il a coupé la tête, OMG. Alors attendez, j'aimerais bien voir un truc. Bon, ça va être les allers-retours dans les paramètres, c'est sûr et certain. Au niveau du lock, il est où? Le bouton F. Si je m'amuse à mettre... Hein? Ok. Voilà, verrouillé en cliquant comme ça, je pense que c'est un bon bail. Merde, il va me déranger sur un truc. Pourquoi il met attention? Pourquoi le espace, il est en... Pourquoi ce merdier? Oh oh. Mode visé. Bon, écoutez, je sais pas si j'ai fait une connerie, mais bon. Ça se passe probablement bien. Et par hasard, ça me permet... Merde! Ah merde! Attendez. Oh, chiche. Nice, c'est bon, ça marche. Allez hop, on se casse. Suivant. Esquive. Ah, donc tape pour parer, d'accord. Tape pour parer, ça marche. Et espace pour esquiver. La garde permet d'éviter de subir des dégâts, mais consomme du ki. Lorsque vous êtes à court de ki, votre garde se brise. Ok, comme dans Dark Souls 3 ou dans Elden Ring. Certaines attaques peuvent demander une grande quantité de ki. L'esquive vous permet d'éviter une attaque ennemie, mais tout comme la garde, cela consomme du ki. Vous ne pouvez pas esquiver une attaque lorsque vous êtes hébété, mais vous pouvez toujours faire une garde. Ok. Ça, c'est la garde. Ah, d'accord. Ok. Ok, ça a l'air d'être du classique. Ça a l'air d'être plutôt classique, ça marche. Garde interrompue. L'appuyer sur table lorsque vous reculez devant une attaque ennemie. Hein? Appuyez sur table lorsque vous reculez devant une attaque ennemie. Hein? Pas rien. Quoi reculer? Pas rien, chef. Où la différence? J'ai rien compris. Allez, crève. Pas plus simple. Top. J'ai rien compris. Tu dois le faire, puis appuyer sur la touche de garde. Ce tuto est tricky. En gros, tu dois te faire toucher, puis appuyer sur garde. Oh. Tu dois appuyer sur table après t'être fait toucher. Ah. Ok. Ok. Ouais, j'avoue. Tain, la traduction, chef, au secours. Wow. Pourquoi? Oh là là. La posture haute. Oh merde, il y a un délire de posture. Ok. Tu peux me remontrer le texte, s'il te plaît? Allô? Le texte? S'il te plaît? Allô, le texte? Changer de posture. What? Oh l'enfer. Oh la purge. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'il y a l'icône en bas à droite. C'est vrai que je l'avais remarqué, je comprenais pas. Oh, et du coup, je vais mettre des gigapatates. Oh oui! Oh, tapez! Oh non, mais attends. Tapez! Oh oui, attendez, moi j'aime bien ça. Rengainé là? C'est la posture rengainée? Merde, attends. Parle-moi. Position basse. Hop. Pas l'attaque chargée. Ok, il n'y a pas d'attaque chargée, c'est vraiment attaque lourde et c'est tout. Posture moyenne, hop. Oh. Et la dernière? Posture rengainée, c'est ça? Non? Non, il n'y en a pas. Pas la posture. Ah, c'est pas de posture, c'est justement tu te bats pas. Enfin, tu. T'es rengainé, tu ranges ton arme. Pilé. Tiens, je viens de remarquer qu'on peut grimper là-haut, tiens. Intéressant. Y'a pas de bouton saut. Y'a pas l'air d'avoir de bouton saut, tiens. Ok. Suivant, didacticiel. Alors, tapez. Grosse épée, tapez. Grappin. Près d'un ennemi à court de ki ou d'un yokai à terre, transpercer un humain à court de ki. Ou un yokai à terre pour leur infliger un coup puissant. Grappin, clic droit. Ok. Ah merde. Alors là, du coup, je peux. Ouah. Meurs pas, hein. Merde. Oups. Ah oui. Oh, t'es un finisher. Oh, j'aime bien, moi.
Moi, j'aime bien là, le finisher. Ah oui, d'accord. La traduction, elle est catastrophique, par contre. Hein. Grappin, chef, pour coup fatal, coup critique ou finisher, j'en sais rien. Ils ont appelé ça grappin, chef. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, après, techniquement, je les grabe. Je pense que le grappin vient du fait que je les grabe avec mon épée. Mais je pense que c'est pas la volonté, normalement. Aïe, 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 aïe. Expulsion de ki shift lorsqu'une lumière bleue vous entoure après une attaque. Une expulsion de ki vous permet de restaurer votre ki. La quantité varie selon le timing. Oh, on peut... Attends, quoi? On peut faire des cycles pour récupérer de l'endurance? Elle est où, la lumière bleue? Oh. What? Ah, c'est une régène d'endurance plus rapide. Ok. Ah oui, d'accord. Ça se fait en spamant? Ouais, ça se fait en spamant. Merde. J'ai activé les touches rémanentes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Elles sont pas censées être désactivées en plus. À l'aide. À l'aide, quoi. Bah... elles sont désactivées pourtant. C'est fou ça. Mais pourquoi les... Pourquoi j'ai eu... Non mais... 1, 2, 3, 4, 5... Bah... Hein? Maintenant... Mais... Hein? Quoi ce bruit de golemon là? Quoi ce bruit de con? Mais... Ah mais elles sont là en fait. Oh là là... Non, on enlève. Merci. Normalement c'est bon, j'ai réparé normalement. 1, 2, 3, 4, 5... Ah c'est bon. D'accord, donc on peut spammer pour récupérer de l'endurance plus rapidement alors en fin de combo, ok. Intéressant. Un autre monde de... oula, royaume yokai. Un autre monde est né des yokai. Un autre monde né des yokai, ok, ok. Lorsque vous êtes dans le royaume yokai, votre vitesse de restauration de ki est fortement réduite. Inversement, le pouvoir des yokai y sont plus grands. Purifiés, vous pouvez purifier et dissiper un royaume yokai après avoir... Après une impulsion de ki réussie dans celui-ci. Hein? Pourquoi je dois appuyer sur shift, quoi? Ah ouais, là, j'ai purifié, genre. Ok. Ok. Faut pas spammer, c'est juste frame. Ouais, mais à voir, ça a pas l'air d'être punitif de spammer. Regarde. Merde. Je sais pas. Hop. Bon, on continue. Allez, hop, c'est pas bon. J'ai fini le tutoriel. C'est une bonne chose de faite, la team. Oh. Oh. C'est les feux. Non, c'est les feux. Oh. Quoi? Ah, oh, merde. Non, c'est un bonus. Donc, soit j'ai le requin pour avoir de la magie. Soit j'ai un oiseau pour avoir un cœur. Soit j'ai... Oh. Ah. Chat, on va faire un petit sondage. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre, la team? Je me demande bien ce qu'on va prendre. Attendez, je vais vous préparer un petit sondage, la team. Tâche, sondage. On prend quoi entre le requin, le poisson. Hop. Merde, j'arrive pas à écrire poisson. À l'aide. J'ai mal placé mon i, je suis un bolos. Poisson, je vais y arriver, pardon. Entre du coup, c'était l'oiseau. L'oiseau, hop, tiens. Et le loup, force, boum, boum. Voilà, vous avez une minute pour voter, à votre avis. Qu'est-ce qu'on doit, à votre avis, je sais pas trop ce que je devrais prendre. Qu'est-ce que vous en pensez, chat? Entre du coup, évidemment, le poisson qui nage, l'oiseau qui vole, et le loup qui fait boum, boum. Tapez, point de force en plus. Qu'est-ce qu'on prend, chat? Qu'est-ce qu'on prend, évidemment? Évidemment. Monkey! Voilà. Donc là, je vois 62% pour le loup, force, boum, boum. En vrai de vrai, je pense que le sondage n'est pas vraiment influencé. La preuve, le loup, force, n'est pas forcément en train de dominer complètement comme je l'aurais attendu. Écoutez. Je pense que, ouais, il reste 15 secondes pour voter. Je pense qu'on va bien partir sur le loup, hein. Pour avoir un point de force supplémentaire, ça me semble plutôt logique. Allez, c'est parti. Point de force, on va même pas attendre la fin, c'est parti. Oh, wesh. Ah, ça, j'aime bien, ça. Ah, mais je suis devenu un yokai. Oh. Oh, voilà, ça, moi, j'aime bien, ça. Tac lourde.
Oh d'accord. Oh. Oh. Oh, j'aime bien moi. C'est quoi le thé? Oh. Oh, oh. Oh bah évidemment, évidemment que je vais prendre ça, évidemment. Regardez, évidemment que je vais prendre ça. Shift E. Oh. Quoi? Comment j'ai fait cette... Comment j'ai fait? Bon bah, let's go, on passe à la suite. Tout est banger. Force plus 1, force plus 1, force plus 1. Si je calcule, ça fait plus 3 de force. Je pense que j'ai un très bon build. Je pense que j'ai un très 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 bon build. Est-ce que je regarderai pas le didacticiel yokai? On va aller voir, je pense que c'est important. Enfin, ça m'a l'air d'être la suite en plus, je sais pas trop. En fait, on est obligé de faire les didacticiels. Alors, shift, c'est espace plus R. Consomme un d'anima pour déclencher un contre-explosif qui varie selon l'esprit protecteur actuellement utilisé. Le contre-explosif brut vous transforme temporairement en yokai et déchaîne une attaque puissante. Vous parvenez à interrompre l'attaque explosive de l'ennemi avec ce coup, vous infligez de gros dégâts de ki. Rien compris, chef. What? C'est là, faut mettre le finisher. Elle crève. Hop là. Ok. Ah, c'est vrai qu'il faut que j'enlève ça en faisant ça. Ok. Mutation yokai. Consomme votre jauge de mutation yokai pour déclencher une puissante technique d'esprit protecteur qui varie selon le type de ce dernier. Ok. D'où la barre de yokai, je sais pas quoi. En violet. Bah je saurais jamais. Taper. Oui, taper. Oh oui, taper. Ah j'aime bien moi taper moi. Oh oui. Oh je peux charger. Oh. Oh. Oh, y a quand même des choses qui font du bien quand même, on va pas se mentir. Oh. Oh, oh oui. Ah oh, moi j'aime bien moi. Oh oui. Super d'avoir d'attaque sprintée. Ok ok ok, top top top. Bah faut arrêter. Ah oui c'est vrai qu'il y a l'attaque là, c'est merde, c'est ça que je vais faire. Ça a consommé quoi là? Je sais pas dans le HUD qu'est-ce que ça doit consommer mais bon. Là. Ah, la barre de yokai, ça doit être la boule qu'il y a en haut à gauche. Ok. À côté, enfin, c'est vraiment le rond. Genre, c'est la barre d'âme dans Hollow Knight, quoi. Appuie sur clic droit près d'un ennemi à court de ki. Ah ouais, moi j'ai envie de le faire, le finisher. Le finisher en mode yokai. Oh oui, pitié, quoi. Pitié, le finisher en mode yokai. Oh. Oh oui. Oh oui! Alors fais-moi le malin mon gars! J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Moi j'aime bien là ce qui est en train de se passer. J'aime bien, j'aime bien. Fatality. Brise-croc. Shift plus attaque chargée. Enfin, attaque lourde. Appuyez au moment adéquat quand l'ennemi attaque. Oh, c'est une espèce de parade. Brise-croc permet de repousser les attaques ennemies. Repousser une attaque inflige un hébétement puissant sur un ennemi humain. Sur un ennemi yokai, il est hébété et forcé à libérer une partie de son Amrita. En forme bestiale, les attaques ennemies ne peuvent pas vous hébéter. Ok. On va se transformer du coup. Merde, je suis déjà transformé. Merde, j'ai pas compris en fait. Hein? Ah, c'est tab. Merde, c'est pas shift, je suis con. Ah yo. Pour rien. T'as réussi là? On va appuyer sur les deux en même temps? Ce merdier. Prends rien, chef.
c'est ça. Quand l'ennemi attaque. On prend rien, chef. Faut se merdier. Ah, c'est vraiment une parade parfaite. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est vraiment une parade parfaite qu'il faut mettre. Oi oi. Oi oi, là, les frames, elles avaient l'air vraiment réduites. Hein. Putain. Merde. Ok. Pouf. Et B. Et B, et B, j'ai rien compris. Allez, au suivant. Ouf. C'est bon, c'est fini. Quitter ce... Ah merde, fallait cliquer sur quitter. Ok. Merde. Ok. Ok, 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 ok. Bon, on va voir ça avec le temps, évidemment, pour voir comment je vais m'en sortir. C'est parti pour du lore. L'exploit d'unifier ce pays est né dans un petit village ravagé par la guerre civile, mais son ingéniosité et son courage ont permis de faire face à l'adversité. Ok. Un fameux yokai, du coup. Ah putain, j'ai fait encore plus peur que le monstre. Ah merde. T'as mis bien, ça. Ok, bon. Oh. Vous avez acquis un fragment de branche céleste. Si vous l'utilisez pendant une mission, vous pouvez quitter celle-ci et revenir à la carte. Par contre, vous perdez toute l'Almrita en votre possession. Ok. Ok, c'est une espèce de carte, du coup. J'aime bien l'effet, regardez. Commence à monter tout, c'est stylé. Non, c'est stylé, une carte, quoi. Une carte dans un Souls-like, j'ai jamais vu ça, quel bonheur. Quel bonheur, bon sang. C'est joli. Alors, il y a cette espèce de village du printemps, des printemps maudits. Oh, mais attendez, mais il n'y a pas de monde ouvert, en fait. On va se déplacer de quête en quête. Ça va être niveau par niveau. Oh. Oh. Oh, je m'attendais pas à ça. Le point de départ, il y a un truc, mais il n'y a pas de quête, rien du tout. Là, niveau recommandé, il me dit 2 épées sur 5, je viens de commencer, donc à mon avis, il me faut un truc de débutant, non? On va commencer par le point de départ. Quoi? C'est le hub. Quoi? Ok, il n'y a rien. Merde. J'aurais pas dû. Que j'ai fait. Bah, je voulais voir vite fait les textes. Frère, j'ai lancé un film. J'ai lancé un film. Bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, non? Eh ouais, on l'a déjà vu. Arrête. Ah, ça doit être le trailer, en fait. Ok, ok, ok. Demi-tour, 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 demi-tour. Ah mais oui, ça c'est en fait c'est le recueil de toutes les cinématiques. Ok, je viens de capter. Ça doit être du lore, j'imagine. Les esprits protecteurs loups, connus sous le nom d'Oguchi no Makami, seraient les serviteurs des dieux de la montagne. Les loups des montagnes représentaient l'incarnation de la peur mêlée d'admiration que les hommes ressentent pour la montagne. Oh, bah, ça me fait penser à Inoxtag, justement. Tout est lié à Inoxtag en ce moment, OMG. Domaine des dieux. Ils étaient incapables de conquérir.
Cependant, il était aussi vénéré en tant qu'esprit protecteur car il chassait la vermine qui endommageait les récoltes. En tant que serviteur des dieux des volcans, il avait bien sûr la capacité de manipuler le feu et de protéger contre celui-ci. Ok. Oh. 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 Remanier hutte. Visite. Oh. Oh ouais, on peut mettre le loup. Putain, mais c'est Animal Crossing. On peut mettre des meubles. Voilà, juste un loup esprit. Mais bientôt, je mettrai une cuisine. Et ça va être trop cool. Allez, je raconte n'importe quoi. Dojo. C'est quoi ça? Ok. On peut prendre du temps pour s'amuser un petit peu à parcourir le tuto du coup. Ou à mon avis, ici, il va y avoir des trucs un peu compliqués. C'est vous actuel. Oh non, non, non. Laisse-moi tranquille. Ça, c'est le menu. Ça, c'est l'online. Moi, je suis pas trop sociable. J'aime pas trop tout ce qui est en ligne. J'aime pas trop les gens en général. Donc, non, 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 non. Pas de en ligne, hein. Merde alors. Bon, c'est pas le didacticiel que j'ai fait hein, tout à l'heure là. C'est dommage ça, non? C'est la même chose, non? Ah, sympa. Je rigole, bien sûr, je rigole. En vrai, j'ai un peu la flemme, j'ai peur de refaire les tutoriels. Go faire ça du coup. Bon, pourquoi 2 épées sur 5, je vais me faire péter la gueule. J'attends, sous les cerisiers en fleurs du soir, le héros qui libérera notre village de ces horreurs qui nous tourmentent. Celui ou celle qui a écrit ce message a sûrement entendu parler des yokai que j'ai pourfendus. On ne sait pas qu'il en est l'expéditeur, mais il semble que la missive provienne d'un village nommé Juzanzakura. Je ne sais pas si je le prononce bien, probablement que non. Il y a vraiment des yokai là-bas, nous ferions bien d'aller y faire un tour. Ok. Merde. Dis ok. Lancement de mission, allez c'est parti. Voyons voir du coup comment ça se passe. Pour le premier contenu du jeu, la première véritable mission, mars 1555. OMG, c'est mon mois d'anniversaire, OMG. Et Yoclin qui vient de prendre le premier mois de Prime. Merci beaucoup pour ce premier mois de soutien, c'est très gentil. Allez, prions un petit peu. Oh, c'est un checkpoint. Capacité entraînement a été débloquée. Ouh. Invoquer un visiteur, donc ça doit être de l'aide en multijoueur. Changer d'esprit protecteur. J'ai un bonus, c'est quoi bonus? Ok, c'est les trucs. Comme j'ai pris l'édition avec les DLC, bah j'ai des bonus en plus. Arrête, c'est chiant. Transformation Ninja Dragon débloquée. Vous pouvez appliquer cette transformation en utilisant. Ok. Transformation William! C'est quoi ces trucs? Bandoulière. C'est bon, t'as fini de marceler? Ok, il a arrêté de marceler, c'est bon. Tout va bien. Montée de niveau. Ah, l'âme Rita. Oh, c'est les âmes. Si c'est l'âme Rita dans le menu de montée de niveau pour améliorer vos stats. Ok. Ah, ça, c'est vraiment des stats à la FromSoft. On va prendre l'attention et lire un peu tout ce qui est dit. Donc, la constitution, c'est la vitalité pour les PV. Et il y a du scaling par arme. Cœur, ça va être l'endurance et la résistance au feu. Katana arc. Courage, ça va être la vitesse de restauration d'endurance. Ok, Tomfa. Endurance, ça va être avec les PV, le poids max. Oh, c'est encore de la vigueur, merde. Oh. Et en tout cas, mettre de l'endurance, ça a l'air mieux de mettre de la constitution. C'est marrant, ça. Salut à toutes les personnes qui arrivent. Salut, Moxie. Bien le bonjour à toutes les personnes qui arrivent sur le stream, évidemment. Affect H, canon portatif, force. Ah, j'ai bien choisi mon arme. Force, Odashi, point. Ça tombe bien, c'est les deux armes que j'ai voulu utiliser. La stat de base requise pour activer les effets spéciaux de l'armure lourde. Cette stat affectera aussi votre résistance à l'eau. Compétence, pour activer les effets spéciaux des armures légères. Bah, on n'aime pas ça. Oh, affecte l'efficacité et la capacité du ninjutsu. Oh, en vrai, force, dextérité. Ça a l'air d'être la furtivité. Genre la compétence, j'ai l'impression que c'est la dextérité des FromSoft. Et la dextérité, ça a l'air d'être... pas la dextérité des FromSoft, et ça a l'air d'être une stat qui affecte la furtivité ou un truc comme ça. Ou la mobilité, j'en sais rien. La vitesse de déplacement. Ok. Termine l'effet et la capacité de votre magie.
Don Mio. Bon, j'ai rien compris. Écoutez, je pense qu'on va mettre tout en force et en endurance pour pouvoir tanker. Pensez le mieux et dextérité pour aller vite. Moi, ça m'a l'air d'être le mieux. Entre. Ah, il y a là aussi la barre d'endurance, ça peut être intéressant, mais bon. Wouf. Wouf. Et merci Carmos pour le 3e mois de Prime, c'est très gentil, merci beaucoup pour le soutien. Combien de points? J'ai droit à 1 point. Bah, tu sais quoi, on va arrondir à 10 la force. Ah, très bien. Ah, je peux pas. Merde. Hein? Pourquoi ça marche pas? Ah, je me suis trompé de touche. Ok. Allez hop, un petit point de force en plus, histoire d'être un peu plus musclé. Parfait. Merci beaucoup, Carmos, pour le 3e mois de Prime, c'est très gentil. Merci beaucoup, chef. Ça fait très plaisir. Bonjour le labo, bonjour. Merde, je me suis trompé de touche. C'est quoi, entraînement? C'est la même chose que tout à l'heure ou pas? Combien point d'interrogation? Oh non, c'est bon. Oh non, c'est la même chose que tout à l'heure. Allez hop, on se casse. Allez hop, on se casse. Objet. Ok. J'ai activé un souvenir. Ça, c'est un raccourci, ok. Alors, je crois que je suis... Le jeu commence maintenant. Je suis complètement en danger. Donc ces trucs-là, faut les repérer. Ça a l'air d'être des feux de camp. Y a pas... J'ai pas vu un onglet de téléportation. Je me permets de vérifier. Ah, il y a deux onglets vides. Deux onglets vides, donc il y aura probablement un onglet de téléportation. Il y a un onglet faire une offrande aussi. On a mon premier ennemi qui est là-bas. Ok, je récupère des souvenirs en même temps de choper des items. Est-ce que je peux être furtif en arrivant dans son dos? Y'a pas une touche d'accroupissement? Ok, on va mettre un full combo, ça va permettre de l'éliminer sûrement. Hop là. Ok, faut faire gaffe parce que j'ai un combo très faible de 3 coups. Et c'est... Faut bien recliquer pour pouvoir lancer un nouveau combo. On n'a pas de système de buffer intercombo en fait. Cap de loup solitaire. Statue. Ok, il y a bien un délire d'équipement. Confirmer, modifier vos raccourcis. Vous pouvez aussi confirmer l'esprit. Ok. Donc, si j'ai bien compris. Ah, j'ai ramassé tout ce que j'ai. Ok, tout ce qu'il y avait dans le tuto, je l'ai ramassé. Je peux changer à tout moment. Ok. Après, je vois pas pourquoi je changerais ça. Ok. Donc à la tête, je peux mettre un truc. Donc il doit y avoir aussi les trucs des DLC, j'imagine, qui sont là. On va éviter de trop les utiliser parce que je pense que ça doit être un peu pété. Quoique. Elle est où la stat de défense? Je suis à 0 là. 10 pour le truc que je viens de ramasser. Ouais. Donc ça doit être des trucs de DLC. Et on le voit là, ça me donne 12, 16 et 20 de défense. Je pense qu'on va se contenter de mettre le truc par défaut et pas utiliser le contenu de DLC. Hop. Là pareil, je peux mettre des armures bien plus fortes que mon plus 12. Pareil ici. Et pareil ici. Ok, on va essayer d'ignorer un peu tout ce contenu. Et on enlève bien tous les points d'exclamation. Ah, par contre là, j'ai des buffs. Je peux prendre des buffs, non? Je sais pas s'ils sont par défaut ou si c'est... Regarde le skin du casque Valve. Attendez, je vais regarder, j'ai pas vu. Casque Valve. Faut le mettre? Faut le mettre, vous pensez? Je pensais que c'était ça. Ah merde, putain, je l'ai pas vu, l'énorme Valve dans sa tête. Bah oui, c'est une ref au logo. J'ai pas capté, je suis con. Ah, mais oui, merde. En vrai, mais c'est pas mal, en vrai. En vrai, ça tue. Ça tue de fou, je suis bête. Ça tue, en vrai. Trop bien. Trop bien. Alors ça, ça a l'air d'être... Je sais pas si ça vient des DLC ou pas. Je pense pas. Quoique, attendez. Kodo Moda, non. Non, non, ça, je peux les mettre. Hein. Y'a pas des cadenas? Hein? Bon, je vais mettre une bandoulière. Je vais mettre l'autre truc que j'ai en double. L'autre butin, efficacité des élixirs. Bof. Allez, un truc de chercheur de trésors. Parfait. Les élixirs, ça doit être les soins. Pierre, j'en ai une tonne. Pourquoi j'en ai... Mec... Ah ouais, non, j'en ai deux. Non, pourquoi j'en ai 99, là? Je comprends rien. Éclat d'un arbre sacré utilisé comme réceptacle durant les rituels religieux. Utilise tout votre almirita et vous permet de quitter une mission en retournant au point de départ. Ah d'accord, ça c'est la marque sombre. Restaure des points de vie à l'absorption, ça c'est des soins. Parfaite pour le lancer, jetez-la sur l'ennemi pour lui infliger des dégâts. Ok.
Why not? Hop. Ok, ça me va. Ici, menu personnalisation et de compétences. Venez consulter et changer les compétences actives. Si vous en avez plusieurs dans une commande... Merde. Si vous en avez plusieurs avec une commande ou une posture identique, vous pourrez activer celle de votre choix. Oh, le fameux finisher grappin, là. Ah, c'est pour ça que son nom, il est bizarrement traduit. Ok. Par derrière, oh, à terre. Ok, on peut changer plein de trucs. Donc là, j'ai rien. Donc on va débloquer ça avec le temps, ça marche. Oh merde, et on peut changer par arme, sérieusement? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. On peut vraiment changer par arme. Il y a plein de combos, ok, ça marche. Et ici, consulter l'ancien. Ok, ça c'est didacticiel. Ok, on va enlever toutes les notifs. Parfait. Ok, j'en ai assez vu. Allez hop, on continue. Salut Patrick, comment il va? Ça fait un bail, je suis pas venu, quoi de neuf? Bah écoute, ça run toujours sur du Dark Souls 3. Là, cet après-midi, jusque dans les alentours des 18h, 18h30, je commence une découverte sur un nouveau jeu, histoire de me détendre un petit peu. Et de chiller un peu, quoi. Tout en découvrant un nouveau FromSoft. Et après, ça repart sur du speedrun comme jamais. Pendant toute la soirée. Alors. Ça, ça a l'air d'être un gros boss. Honnêtement, j'ai pas envie de m'y frotter. Merde. Là, il y a un raccourci là-haut, ça marche. On a vu. Ok, je récupère des objets. Viens vers moi, non? J'ai l'air un peu aveugle. Je peux pas sauter, hein. Clairement pas sauter. Oh, bon, bah il m'a vu, je pense, là. Je pense que là, il m'a vu, chef. Non, il me fait pas gaffe à moi. Pas gaffe, t'as le taureau de Sekiro devant toi. Mais il a l'air un peu bizarre. Il y a un monde où... Où si je m'appelle... Oh putain de merde, je pensais qu'il allait être gentil, mais non, il a pas l'air. Ok. Wesh. 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 Ah. Ah. Ah, j'ai besoin de... Ce n'est pas une fuite, c'est une retraite stratégique. Salut. Oh merde. Bordel de merde. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se soigner à l'aide de ça? Si c'est un peu de corps, ça me soigne, non? Ah, complètement. Ok. Quel merdier! Merde! Oh, mais il a respawn, lui. Ah, d'accord. Ok, c'est vraiment comme ça. Une attaque sprintée. Ok. Tu perds cet objet. Ok. À mon avis, il a l'air tellement énervé que je pense qu'il faut l'esquiver, lui. Là, mon flair me dit que ce mob-là, je dois l'esquiver et je dois pas l'affronter tout de suite. C'est pour ça qu'il a une détection d'ennemis un peu ratée. C'est pour ça qu'on peut passer un peu autour sans avoir de problème. À mon avis, faut l'esquiver. Verrouillé, ok. De toute façon, je vais voir dans tous les cas si je suis obligé de le combattre et qu'il drop, par exemple, la clé de la porte qui est juste ici. Bah, au bout d'un moment, tôt ou tard, je vais devoir m'y coller. Donc bon, on garde ça en tête. Ok. Oh, il y a un petit truc. Ils sont marrants les monstres là. Oh. Quelque chose me dit que les dialogues là, on va les comprendre si on joue en NG+. Je déteste cette mécanique de forcer les gens à jouer en NG+ pour avoir des dialogues. By the way. Je trouve ça tellement ridicule. Déjà qu'un joueur normal ne lit pas les dialogues, alors en caché avec un NG+, je trouve ça ridicule. C'est le raccourci tout à l'heure. Ouais. Hop. Ouais, je fais attention avec le chat. Hein, je fais attention avec le chat, genre j'essaye de pas trop regarder quand je pose des questions à moi-même. J'essaye de pas trop regarder parce que j'ai peur qu'il y ait des réponses. Justement, la mécanique avec le boss, j'ai pas envie de me la spoiler, du coup j'évite un peu le chat là. Que je pose des questions, des suppositions comme quoi faut le laisser tranquille, pourquoi il va, comme quoi il va ouvrir la porte, et je fais exprès de pas trop regarder le chat pour pas avoir l'info. Vous inquiétez pas, je suis un professionnel, vous inquiétez pas. C'est une arme? Oh, on va looter de nouvelles armes, on va pas l'améliorer. Oh. Et on va éliminer la racaille. Voilà.
Je récupère un peu tout ce que je trouve. C'est vrai qu'il faut que je fasse ça, c'est vrai. Pour récupérer de l'endurance. Donc j'étais en train de lire le dialogue et il m'a dit littéralement de ne pas oublier d'appuyer sur Shift après une fin de combo. Il a raison, il a raison. Après, il y a Tap qui te permet de parer. Oh, bah, dommage. T'aurais pu bien tomber, mais... Il est mort ? Non. Quoi ? C'est quoi, là ? Ah, putain, je m'en doutais qu'il allait avoir un mauvais bail comme ça. Oh. Allez, bouge ! Ok, on... Wow, c'est quoi cette merde ? Arrête ! Il y a son truc de merde, je peux pas passer dedans, si ? Non ? Oh, sa mère, je suis mort déjà. Oh, sa mère ! Mort par... Quoi ? Allez, la première mort, la team ! Let's go ! L'Amrita requise pour monter le niveau est perdue lorsque vous mourrez. Tiens. Mais si vous périssez alors que vous êtes possédé par un esprit protecteur, vous laisserez derrière vous une tombe qui vous permet de récupérer l'Amrita perdue en la touchant. La tombe disparaît si vous mourrez à nouveau... Non, attendez. J'avais un esprit protecteur ou pas ? Ah, mais j'ai perdu mon esprit protecteur. Hein ? Ah merde, c'est le multi. Ok. What the fuck ? J'ai raté le système, vraiment ? Tu devrais mettre un compteur. Bah, je l'ai plus, en fait. En fait, avec mes problèmes de PC, j'ai plus le compteur de mort. Vous voulez que je prenne du temps pour le réinstaller vite fait ou pas ? De mémoire, fallait un fichier texte et un petit logiciel. Vous pouvez essayer de faire ça en 5-10 minutes, si vous voulez. Vous voulez que je mette un compteur de mort ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Faut que je retrouve aussi l'image Judai. Vous voulez ? Allez, bah, je vais essayer de trouver ça. Je vais essayer de trouver ça. Allez. Comment ça s'appelait ? Death Count, ça s'appelait un truc comme ça, le logiciel. Merde, je sais plus comment il s'appelait, fais chier. Ouais, le problème, c'est qu'il faut le trouver, quoi. Merde. Compteur de mort. C'est quoi ? C'était un logiciel avec un logo, je l'ai en tête et tout, chef. Ah, merde. Merde. Bah, en fait, je vais pas réussir à retrouver, en fait. Ça va être trop chiant. Pas le logiciel là, non ? Si. Ah, c'était peut-être ça, si. Attendez, j'ai un truc. On va tenter en YOLO. Ah ouais, c'était ça. Nice. Et ok, j'ai retrouvé. J'installe. Je cook. Let him cook, chat. Je vous cook un truc, là. Puis après, il y avait un bail où il fallait mettre un fichier... texte, je sais pas quoi. Mettre sur le bureau, ce sera très bien. Un nouveau fichier. Texte. Hop, death count. Mettre 0, enfin 1 du coup. Oh merde. Ok, all good. Setting. Ah la purge, je me souviens plus comment on fait tout ça, c'est un bordel. Merde. Add. File. Ok, j'ai un truc. Je suis en train de vous cook un truc. Bureau. Merde, je me suis trompé. Fuck. Ok. Compteur 1, incrément 1. Bam. Top. Top. Et plus, moins, je peux l'ajouter, l'enlever. Top. Maintenant, avec ça, il faut absolument que j'aille dans OBS. Attendez, laissez-moi cuisiner. Je vais vous préparer un banger. Ok. Là-dedans, faut que je mette... merde.
Comment je peux faire, je peux incrémenter ça sur le stream? Lire à partir d'un fichier? Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait un bail, il faut lire à partir d'un fichier, je me souviens de ça, ouais. Ok. What the fuck? What the fuck? C'est quoi la... Faut ajouter quoi? Il me dit quoi dans le tuto? Merde. Tour ce texte. Ok. Ok les gars, je cook. Tour ce texte. Discount. Lire à partir d'un fichier, c'est où ça? G. La team. Oh. Tiens. Oh. Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors. Et maintenant, faut que j'aille. Je sais qu'avec les messages de crème. La crème dorée. Je sais qu'il m'avait filé une image You Died qui est pixel. Je l'avais revu en réinstallant justement le point d'exclamation run. Faut que je la retrouve. Attendez, elle était pixel. Je remonte à fond. Hop. Ah, je l'ai. Ok, la team, je suis en train de vous préparer un banger. Enregistrer l'image sous. Bureau. Oui, j'ai trois fois bureau qui... Posez pas de questions. Posez pas de questions, la team. Hop, on va le mettre là, ça sera très bien. You died. On va l'appeler comme ça, l'image. PM. Là, je fais... Attention, est-ce que vous êtes prêts? Hop. Là, je vous prépare un classique. Je fais, hop, ajouter image. Boom. You died. On va l'appeler du même nom. Hop. Bureau. Image, stream. You died. Et hop là, salut. Tada. On va le mettre en plus petit pour que ça passe sous la caméra. Et voilà. Hop. Fais en sorte que ce soit plus ou moins propre. J'ai bien dit plus ou moins propre. Hop. Je sais même pas comment je peux... Oh merde. Le truc c'est quand je vais mettre plusieurs dizaines, ça va être chiant, non? Attendez, je vais essayer un truc. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ça les décale sur la droite. Top. Ouais, écoutez. Ça, c'est plus ou moins bien. Faut juste que je mette deux petits points. Hop, deux petits points. Bam. Top. Tada. Bon, la police aussi, c'est classique, mais bon. Je peux mettre en haut, ce serait peut-être mieux quand même. Je suis en train de me faire trop chier encore. C'est mon problème, ça. Dès que je lance un truc pour faire vite fait, j'essaye de le faire pas vite fait. Et c'est très, très, très problématique. Je vais mettre ça en grand, ce sera mieux. Hop, attendez. Bim. Ok. Bon, moi, on peut pas dire que je fais pas les choses bien. C'est l'avantage. Enfin, plus ou moins bien, parce que bon. C'est pas du grand Mendes non plus. C'est pas du grand Mendes non plus, on va pas se mentir. Alors, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir le même rouge? Sélectionner une couleur, pique la couleur juste ici. Bim. Hop. Et hop là. Pareil ici. Le death count. Hop, couleur, s'il te plaît. Sélectionner la couleur juste ici. Hop. Top. Tada! Et voilà la team! Est-ce que ça vous va comme de compteur de mort? Il est pas très droit, mais bon. Ah. Écoutez, j'ai jamais été droit dans ma vie. Et c'est un peu une référence. Oh là là, putain, le merde, j'arrive pas à le mettre droit. Les deux points, ça peut aller. C'est bon là? Oh, il est un peu trop bas. J'arrive pas. Oh, c'est bien là, c'est aligné là. Ouais, ça fera l'affaire. Ouais, ça fera l'affaire, la team. Bon, je sais pas si c'est top, mais on verra ça plus tard. Je vais pas vous faire perdre plus de temps, désolé, la team. Allez, hop, ça se passe très bien comme ça. Donc, si je diminue, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je sais pas combien je l'ai mis, mais 1, 2, 3. Oh, c'est un peu trop approché. Merde. Mal calculé ça. Allez, hop, ça fera l'affaire. Allez hop, ça fera l'affaire. Bon, désolé. Je remets ça là pour que ça fonctionne pour tout le monde. Top.
Ok. Ok, ok, ok. Normalement, tout est bon. J'ai tout réparé. On est bon. Hop, 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 hop. On ferme tout ça, j'en ai plus besoin. Le chat est de retour. Salut! Retour sur le chat. Bonjour. Bonjour. Ah, il y a quoi ici? Oh. Oh, ok, c'est le nouveau tuto que j'ai vu. Allez, pomme. C'est bon, on est reparti pour la bagarre. C'est pas grave, tu vas vite atteindre la dizaine. Ça veut dire quoi ça? C'est ça mes âmes là? C'est quoi ça? Non, c'est un revenant. C'est du multi ça, non? Bah tu es mort pour Gaki. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est peut-être pas du multi en fait. C'est peut-être pas du multi. Bon, mon cadavre il est où? J'aimerais récupérer mes âmes, s'il te plaît. Je vais prendre ta part. On va régène, l'endu, on y va. Meurs. Oh. Bon bah grab. Pas plus simple. Ok. C'est où? Tu vas passer par là en fait. Merde. Tu vas passer par là en fait. Oh. Ça doit être mes âmes. Ça doit être mes âmes, je pense. Non. Ça, ah mais oui, ça c'est mon... C'est mon loup. Il est mort? Merde, ok, je me casse. Ah mais c'est vrai que je me suis tapé un super monstre parce qu'il s'est buffé. C'est vrai que... Faut que j'enlève l'endu. Faut que j'empêche l'autre d'aller bouffer son pote. Ok, bah, je crois qu'il a pas réagi. En fait, ce monstre là... Ok. Ce monstre là, il a la capacité de se transformer. Si je l'empêche de se transformer, ça facilite grandement la tâche. Ça marche. Salut, ce nom est disponible. Et indisponible, pardon. Bien le bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent, c'est Vladadam. On est en pleine découverte. Je viens de faire le tuto et je suis arrivé dans la toute première zone ou slash mission du jeu, si j'utilise le bon terme. Il y a un petit coffre de Zelda, là. Oh, c'est une armure complète. Oh. Ok. Oh merde. C'est un gros ennemi lui. Ok, il a l'air de tanker pas mal hein. J'ai mis un coup pour doser mais... Oh, bordel. Ah! La fuite est une solution! Merde! Je sais pas si je peux prendre mes consommables. Je sais pas si mes consommables de soins, ça se régénère quand je prends une potion ou pas. Hein, je viens de ramasser sur des pièces. Ok. Alors en tout cas, vous le vendez bien le chat. Je regarde quelques messages, j'essaye d'éviter les spoils. Mais je regarde quelques messages qui disent du bien du jeu. Comme quoi, il y a vraiment une mécanique et un truc à avoir. Et franchement, ça fait envie, ça fait envie. Hein. Non, elle est où la sortie? Ah, elle est là. Ok. Tant mieux. Mais du coup, faut que je fasse attention à pas me faire spoiler. Faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Ça marche. Oh. Faire une offrande, recevoir une bénédiction. Déjà, je peux monter de niveau. Donc déjà, pourquoi se priver? Là, on va bien monter. Et là, on va commencer à monter la vie. On peut pas faire plus. Dommage. Ah, ça monte de manière exponentielle. Hein. 250, 500, 1000. Ouh, ça a l'air de bien monter quand même, ça. Hein. Oh là là. Pour pouvoir monter en stats. Bon, bénédiction du guérisseur. Vas-y. Notre butin d'élixir. Oh, j'ai placé une bénédiction. Ah mais c'est celui que j'ai ramassé, c'est le petit monstre que j'ai trouvé, je peux le placer pour avoir un bonus de butin d'élixir. Ok. Faire une offrande c'est quoi? What? J'ai pas envie de donner des trucs moi. Bah j'ai pas trop envie de donner des trucs. Oh, on est où là? Il y a plein de stats de partout, je comprends rien du tout. Je ne comprends pas le jeu donc aucun risque de spoil pour ma part.
Bah, basiquement, il y a des méchants. Faut les tuer. Et il y a des mécaniques qui te permettent de faciliter le kill des ennemis. Là où d'habitude sur un Dark Souls 3, sur Elden Ring, sur un Sekiro, donc sur un jeu From Software, les outils c'est toujours les mêmes et du coup bah c'est assez facile. Là, on n'est clairement pas à la maison et donc faut essayer de s'imprégner un maximum de la nouvelle de la nouvelle façon de jouer. Ils sont bizarres mes attaques chargées, je les trouve pas super efficaces. Donc là, c'est ici que je me suis tapé le gros monstre. Je dis pas de bêtises. Donc pour pouvoir accéder à la suite, il faut que j'élimine le monstre. Ça. Exact. Bon après, basique. C'est quoi mes options de défense? Pas ça. Je vais jouer un peu plus au corps à corps. J'ai plus de vie. Hein. Comment on utilise un item? Je sais même pas. J'ai plus de vie, chef. Je vais crever! Ah! Est-ce que je peux passer? Oh, ça va! Salut! On va explorer, attendez! Oh! J'ai éliminé lui. Il va me tuer, tu vas voir. Il va me tuer, le petit monstre. Un et deux. Oh! Vas-y, crève-le. Parfait. Wow! Pas vraiment loin, j'avais fait le 1 avant et j'ai vraiment été surpris par celui-là. Par celui-ci, pardon. Le jeu, il a pas l'air de me laisser, de me bloquer, donc là, ma manière de procéder, ça va être simple. Je vais essayer de repérer un peu toute la zone, essayer d'en profiter pour me familiariser avec les différentes mécaniques, essayer de bien me rappeler les mécaniques de défense aussi, puisque je sens que j'ai quelques lacunes. Et ensuite, j'oublie pas, là, les ennemis que je laisse en retrait, là... N'oublie pas et je vais essayer de me les faire, vous allez voir. C'est le tuto, c'est la zone prologue, j'ai envie de dire. C'est la première mission du jeu, donc ça doit être la zone prologue. Hop, alors j'évite de trop lire les messages puisque je vois que les modos disent qu'il y a pas mal de backseat. J'ai pas envie de me spoiler les mécaniques et j'ai vraiment envie de les apprendre tout seul puisque le jeu a l'air de se baser beaucoup là-dessus. Si le jeu est construit sur de l'apprentissage de mécaniques, c'est justement ce qu'on retrouve très peu dans les Souls-like d'habitude. C'est vraiment une chose qui manque. Un jeu avec des mécaniques propres à elle et pas juste repomper des FromSoft ou remixer de manière un peu maladroite. Je pense à Lie of P en disant ça. Après, Lie of P ça marchait quand même pas mal. Ok. Donc, si vraiment il y a pas mal de mécaniques de combo, etc., ça peut être sympa. En tout cas, bon feeling pour le début de jeu. Vraiment bon feeling. Je vais tout casser, frère. Oh, il a l'air vénère en fait. Okay, ils ont peur d'avoir d'hyper-armure. Oh, ça dégoûte! Chef! Chef! Ça dégoûte, chef! Aïe, attends, j'ai pas de point de vie, faut que je trouve le moyen de me soigner. Hein. Faut que je trouve le moyen de me soigner parce que là, ça va être ridicule. Il doit y avoir une touche, mais je l'ai pas trouvée. Et j'ai... Comment ça, j'ai pas eu de tuto soin? Genre, c'est une dinguerie. Comment c'est possible de pas avoir de tuto soin? On est où là? Et la part d'endurance elle est fluide comparée à Dark Souls 3 et Elden Ring. Dès que t'appuies ça sprint, stop. S'il vous plaît monsieur, pardon. On va passer par au-dessus, ce sera plus simple. Eh ben. Oh salut. Oh oh. Eh ben on peut pas... Qui va se battre l'homme, l'humain là? Contre le yokai? Non. Non, je suis pas là chef. Pas attention à moi. Ok. Oh merde, je suis en tenaille. Faut que je récupère ma bénédiction pour assurer mes âmes. Et faut que je trouve la touche de soin, bordel. Si je peux éliminer lui. Grab. Nice. Le grab qui met bien. Oh, j'ai pas d'hyper armure, non! Ah, fuck! Je pensais que j'allais cancel son attaque rien qu'en.
Ah, je pensais que j'avais cancer en attaque, rien qu'en attaquant, mais c'est pas possible. Peut-être que l'attaque chargée, oui. Faut que je trouve la mécanique de parade aussi. Hein. Là, je joue qu'en esquive. Après, est-ce que c'est mieux en parade ou en esquive? Je sais pas trop. Pareil, mes dégâts, je les trouve un peu réduits, c'est un peu dommage. Allez, meurs, s'il te plaît. Par contre, quand je crame l'endurance, je le paye. Hein. Je suis resté immobile pendant au moins 5 secondes. Enfin, je suis resté à 0 d'endurance pendant au moins 5 secondes. Je le paye cher. Je le paye cher. Pardon. Merci. Peut-être que je devrais l'éliminer lui aussi. Il doit être prenable. Hein. Et justement, je lui fais effectuer une expulsion de qui? Bon, ah oui, c'est vrai qu'il y a un bail ou un policier, je sais pas quoi là. Là, là, par exemple, je viens de cramer toute mon endurance, c'était pas malin. Merde. Cette attaque sprintée, elle est vraiment bizarre. Faut vraiment que je pense à reprendre ma parade aussi. Reprendre ma posture à chaque attaque en appuyant sur Shift. Ok. Le deuxième ennemi. Ah, il est là, j'avais pas vu. D'accord. Je vais pouvoir l'éliminer direct. Ça permettra du coup de faire un 1v1, ce sera déjà plus simple. Un peu backstab. Ah, il fait mal hein, cet enfoiré. Il fait mal, chef, il fait mal. C'est une dingue. Oh, bah, il y a un feu. Oh, ouais, bah, si on me le dit pas aussi. Oh merde. Oh merde, il y a un feu, j'avais pas vu. Oh là là. Elle vient d'où l'expression backseating? C'est siège arrière. Par exemple, ça vient de la voiture, de quand tu conduis, Fat Wheel. Moi, la référence que j'ai avec le backseat, c'est le mec qui conduit pas et qui te dit « Attention, mets ton clignotant, fais attention où tu roules, insère-toi, va à droite, va à gauche, file de droite, c'est ça le backseat. » Hop, ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. Ouais, le mec, c'est le siège arrière de la voiture qui... Ouais, bah voilà, c'est ça, Wasabi, là, la même rêve que moi. Putain, mais on m'avait pas dit qu'il y avait un feu, c'est malin, ça. Alors, on va commencer à mettre de la vie. Normalement, ça, c'est la vie, hein. Ouais. Allez, c'est très bien. On va monter en parallèle force et vie. Il y a dextérité aussi qui doit être pas mal puisque ça a l'air d'être vélocité de déplacement. Ça vient de l'auto-école? Non, l'auto-école c'est voulu. C'est quand tu vraiment quand tu te balades ou quoi, t'as toujours un relou qui te fait chier. Mais c'est classique, c'est classique. Il y en a du monde. Où est-ce que je suis, bordel de merde? Mais où est-ce que je m'aventure là? Il y a toute une zone par là, tout un village. Derrière c'est pareil. Oh. Qu'est-ce que... Où est-ce que... Qu'est-ce que... Dans quoi je me lance encore, moi? Backflip autorisé en auto-école. Voilà la mécanique de parade. Ah, ça va trop vite. Mais... Pas si résistant, mais... Wouah, frère, il me déchique. J'ai mal quand même, hein. J'ai augmenté ma vie, je sais pas à quoi ça a servi. Hein. J'ai augmenté ma vie, je sais pas à quoi ça a servi, franchement. Trois coups terminés. Ouah, salut Bouv. Bien le bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent sur le stream, évidemment. Hop. Comment je pourrais avoir... Après, il y a le délire de posture aussi. Peut-être qu'avec une posture haute, c'est mieux, j'en sais rien. Wow. Mais il m'a détruit ma parade. Oh oh. Wow. Wesh, vous avez vu? Yeah, yeah. Je me casse d'ici, gros. Il m'a enlevé tous mes points de vie en un coup, frère. Mais où, là? Hey, c'est une folie de faire ça. Y'a pas moyen de se TP, là? Oh, merde. Je me suis tombé dans quel traquenard encore, là? Où est-ce que je suis? Ok, ok, ma meilleure technique. C'est parti. Chiche. Alors, normalement, je reviens sur mes traces, là. Oh, shit. Ouais, c'est là. J'ai carrément un ennemi qui a essayé de me dégommer. Ouais, non, mais oh. Oh. Oh, ouais, non, mais oh. Tapez, tapez. Ok. Faudrait que je me soigne, genre, j'aimerais bien me soigner. Comment on utilise des items, bordel de merde? Ok, je peux le grab. Fait. Et lui, pareil. Top. Top, top, top. On n'en parle plus. Et Woozy qui prend le 8ème mois de tiers 1. Merci beaucoup pour ce 8ème mois. C'est très gentil.
Merci beaucoup pour le soutien. Frère, faut que je trouve comment on utilise les objets, j'en peux plus. Objet. Pied. À l'aide. J'en ai marre de faire des allers-retours comme un idiot. Pour me soigner. C'est une émote, c'est le chef. Oh. Comment j'utilise mon Oh. Oh, attendez, il y a un truc, il y a une bénédiction là. Salut. C'est top. Ça va me donner un bonus. Run itemless. Non. Non, non, on veut pas du run itemless. Non, 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 non. Merci Daryl pour le follow, je viens de le voir. Merci beaucoup pour le soutien. Ça fait plaisir. Alors, attendez. Utiliser un item, ça doit être marqué quelque part quand même. Oh. Oh, c'est 1. Ok. J'avais pas pensé à ça. Y'a pas les numéros ? Ouh, ça a marché. Ça a marché, mais ça a complètement l'air d'être déconsommable. Hein. Ça a complètement l'air d'être déconsommable. Hein. Eh ben dis donc, putain, je me sens perdu. Je me sens perdu. J'avoue, là, je suis pas à l'aise. Je me sens complètement perdu. Y'a le gros monstre là. Faut que j'essaie de purifier la zone. Et tout seul, il y a 3 combos en vrai. Oh, ça mon con. Aïe. 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 Oh non, il a mis une zone. Merde. Non. Ah. Mais bordel. Ah. Merde. Quel enfer, je comprends rien. Il m'a déchiqueté. En plus, je vais enlever la moitié de ses points de vie. En vrai, je vais le dégommer. Je vous le dis, je vais le dégommer, en fait. C'est parti, là. C'est juste parti. Mim, 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 mim. On esquive l'ennemi. Parfait. Je vais essayer de grimper là-haut. Et normalement, il y a mon cadavre qui traîne par là. Pardon, s'il vous plaît. Alors, je sais pas pourquoi faut supprimer mes trucs, mais... Oh, oh. Merde. J'avais pas prévu qu'il soit là, lui. On va directement l'empaler. Histoire de lui expliquer comment ça se passe, ici. Quoi ? Non, non, non mais... Père. Oh ! Il va mourir, oui ! Ah, les points de vie que ça enlève. Ah, il est dans son dos pour mettre une attaque. Aïe. Wouah ! Ouais, je suis... Aïe, aïe, aïe. Ouah. Allez, hop. Qu'est-ce que tu dis de ça, mon gars? J'ai mis un beau combo. On va pouvoir attaquer, là. Tant qu'il retombe. Ok, j'ai mis pas mal de combos. Faut juste pas qu'il one-shot, MDR. Ok, ça, encore une fois, je vais pouvoir l'attaquer. Et 3, allez hop, on esquive et on roll in pour pouvoir l'éliminer. Top. Et B, c'est passé sans problème. Et en plus j'ai récupéré un noyau d'âme. Je sais pas ce que c'est mais on va le prendre. Parfait. Bon par contre j'ai perdu tous mes consommables aussi. Merci pour les GG tout le monde. C'est le premier ennemi unique j'imagine que je viens de faire tomber. Premier noyau d'âme. Je vois... Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu veux toi? Bon, j'ai déjà éliminé 20 fois ses ennemis, faut que j'arrête. Vraiment que j'arrête, bordel de merde. Alors je vois qu'il y a mon noyau en haut à gauche là. Ma barre d'âme d'Hollow Knight pour ceux qui connaissent le jeu. Qui est pleine, donc à mon avis si j'appuie sur T, je peux me transformer en démon. Oh merde. On va vraiment s'en prendre à moi là. Ah mais c'est la... Ah oui c'est vrai que je suis en attaque haute, c'est pour ça que je fais que des petits coups. Ah oui. 1, 2, 3, 4. Ah mais ça c'est le... Ok. En fait... Posture haute c'est des grosses attaques. Posture basse c'est des petites attaques mais beaucoup de combos. Et la posture moyenne ça doit être la même chose mais en médian quoi. Ça doit être la moitié... Enfin la... Le...
comment on dit, l'entre-deux, on va dire. Ok, ça me va. Alors. Salut Ninja. Eh bien écoute, je découvre et pour l'instant, les premiers pas sont plutôt agréables, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup. Après, je suis un peu perdu. Donc, si j'ai bien compris, je dois m'attaquer au prochain village. Après, j'aimerais bien faire la grosse bagarre contre le monstre qu'on a vu un peu plus loin. Essaye un peu de me repérer parce que j'avoue que je suis un peu perdu dans le... Oh, les crèves, le... Merci. J'avais pas envie de mettre un coup violent. Ok. Ouais, bon. Ouais. Bon, je pense que la suite c'est le village Mibou, mais j'aimerais bien aller éliminer l'espèce de boss qu'on a vu là, que j'ai ignoré. Allez, on va y aller. De toute façon, je vais m'y rendre, c'est tout simplement par là. Hop, c'est parti pour le speedrun. On applique les lignes de déplacement, c'est très important. Hop, très mauvaise régène d'endurance, mais c'est pas grave. Peut-être que même au niveau des niveaux, je peux progresser. Oh. Succès, premier noyau. Les noyaux d'âme ont été purifiés en priant à un sanctuaire et peuvent être accordés. Les noyaux d'âme peuvent être choisis via l'option changer d'esprit protecteur. Ok. Ah, c'est une capacité de yokai. Quand je me transforme en démon, je peux faire l'attaque avec la lance, là. Ah. Ok. Niveau des niveaux, jure, j'ai pas assez de thunes là vraiment? Oh merde. 2500 âmes pour pouvoir améliorer mon niveau, c'est pas possible. Donc pas possible. Allez, on va faire la bagarre. J'ai pas de soins, si j'ai 3 soins. 3 soins, on va voir comment je peux m'en sortir. Probablement qu'il fait que probablement que des attaques lourdes. C'est un balayage pour moi, ouais. Non, y a pas... Sérieusement. C'est vraiment l'autre ennemi qui va me faire chier. Oh. On voit les cailloux, ça doit probablement me faire des dégâts, les cailloux. Ok. Oh, le combo gros, il m'a chargé. Il m'a chargé, j'ai rien pu faire. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Paf, coup de corne, et ensuite il m'a soulevé. J'ai rien pu faire. Oh, c'est chiant là, si à chaque fois je me fais aggro par des ennemis, c'est relou. Pourvu que l'ennemi ne me suive pas. Allez, c'est parti, on va lui chercher des noises à ce monstre. Et deux appuis sur espace, ça permet de faire une roulade. Ok, donc ça permet de me backup si jamais je rate mon dash. Faire l'endu. Merde. Yo! Wow! Ok. Faire de l'endu. Chef. J'ai plus de vie et je lui ai mis que 10% de dégâts, gros. J'avais pas besoin de... Bon, bah, il me le dit clairement que je peux pas le combattre, ok. Après, en vrai... Aïe. Après, en vrai, est-ce que c'est le jeu qui décide, en fait? Déjà, est-ce que c'est le jeu qui décide? Déjà de 1. 4. Oh merde, j'ai oublié d'appuyer deux fois sur le bouton de mort, d'ailleurs. J'ai oublié la mort d'avant et j'ai oublié cette mort là, j'ai failli l'oublier. Donc j'ai appuyé deux fois, normalement on est à 7 si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me le dire si j'oublie d'appuyer sur le bouton de mort. Le chat, j'ai une question. Est-ce que ce serait pas l'heure de tryhard pour éliminer la racaille? Est-ce que ce serait pas l'heure de tryhard pour éliminer la racaille, chat? En vrai de vrai. Depuis quand le jeu il va décider? Hop là. Faire ça. Ça va être un combo là, à mon avis. Oh shit. C'est super les E-frames. Super strap. Merde. Fasse gaffe au délai là.
Bon, on va utiliser les consommables, ça m'a saoulé. On va arrêter de les économiser, ça sert à rien. Oh, un élixir. Ah merde, c'est vraiment des consommables, bordel de merde. Faut faire pareil celle-là, c'est plus simple. Je pense que ça va être plus simple de parer l'attaque balayée parce qu'elle est un peu délayée. Ça, par contre, c'est plus simple à esquiver. J'ai menti. Voilà, parade chef, y avait mieux à faire là. Oi, 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 oi. Ok, je l'ai un peu mis mal. Oh merde, il a mis une dose. Faut que je l'enlève avec mon shift. Il avait mis une zone un peu négative. Ok, j'ai mis 40%. Wesh, les cailloux, à mon avis, faut les esquiver. Faut prendre le lock, s'il te plaît. Il est plus rapide, hein. Non, il aurait jamais dû me toucher, là. Non. Ah. Il va charger. Il va se manger un mur, du coup. Quoi? Ouah. Soin. Ouah. Je sais pas pourquoi il m'a pas touché, parce que j'ai fait n'importe quoi. Il s'est éloigné pour récupérer l'endurance. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, jure, il aurait pas dû me toucher, fuck. Faut la parer celle-là. Ok. Ouh, la parade là, elle est passée d'un coup. En vrai, il y a peut-être moyen de le choper, mais niveau des points de vie, c'est pas top. J'ai plus de soins, j'ai plus rien, j'ai plus le droit à l'erreur. Je récupère la mana. Merde. Je veux du tab. Ah, je veux du soin. Ok. C'est ça. Je vais faire quoi là, cet enfoiré? Non! Wouh! Ah! Ah! On est tous les deux à un point de vie! Fais chier! Ok, ça je connais. À gauche! Et on est bon! Vas-y, finis-le! Allez! Ouais! Voilà! Ah, j'ai éliminé la bestiole! Excellent! Allez! Les straps, je les ai repérés sur ce combo! Voilà! Chii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 
Mon perso, il est un peu balourd. C'est un truc que j'aime bien, c'est pouvoir faire des gauche-droite et tout. Et tu vois, là, quand je fais des gauche-droite, mon perso, il se met à danser. Il se met à faire une valse. Donc, j'apprécie l'invitation, mais c'est pas exactement ce que je recherche quand je joue à Nioh 2, quoi. Mais, ça, c'est un autre problème. Mais à part ça, en vrai, c'est un petit détail, quoi. C'est un petit détail juste parce que je suis un mangeur de From Software. Donc, j'aime bien avoir la vélocité, enfin l'agilité absolue des persos. C'est un peu illogique en réalité, mais j'aime bien. Qu'est-ce que je fous sur le toit là? Je sais pas ce que je fous en fait. Je sais pas comment on peut. Bah si, on peut strafe, mais on peut pas faire des gauche-droite instant quoi, rapide. De toute façon, je crois que quand tu lock ton perso, il reste bloqué et tu peux faire des gauche-droite, je crois. T'es pas chassé. C'est juste quand t'es en délock. Mais bon, le problème, c'est que je suis pas forcément grand fan de full délock. Mais regarde, tu vois, je peux faire des gauche-droite. Là, ça marche. Et quand je suis en délock, ça marche pas. Alors, je comprends rien. Je sais pas comment je peux aborder ce village. Je suis passé par les toits, mais ça m'inspire pas. Moi, ce qui m'inspire. Enfin. Oh, attendez, je peux pas éliminer un monstre là? Oh, oui. Oh, malaise. Non! Ah! J'espère qu'ils vont. Oh non, en plus, ils ont foutu mon truc en bas. Fais chier. Aïe. Quel enfer. Bah, je vous le dis, moi. Aïe. Bon, bah, écoutez. Fais chier. Triple les âmes. Bon, on va les récupérer. Hop. Allez, la huitième mort, bien sûr. Oh non, il y a les snipers qui sont de nouveau là. Fais chier. Je vais tirer un stand, je pense. Merde. Salut. Bon bah du coup, rip les âmes, pour de vrai. Oh merde. Bah rip les âmes, du coup, pour de vrai. Fais chier, j'avais les âmes du démon, en plus. J'avais les âmes du démon, j'ai tout perdu. Oh non, j'avais dépensé. Non, j'ai tout perdu. Ah, oh, je sais pas combien j'ai perdu, là, parce que j'ai pas encore repéré où est l'argent. Mais en tout cas, on est à zéro maintenant. Bon, c'est pas grave, je vais me refaire un peu plus tard. 4500, oh 4800, oh. Il y avait deux niveaux. Ou un, au moins. Oh. Bon, de toute façon, ça va te saouler. On va grimper. Oh, mais tiens. Je suis perdu et j'arrive à trouver un esprit de la forêt. Excellent, ça. On va reprendre les hauteurs. Bon, le problème, c'est que j'aurais dû attendre la flèche, là. Quand je vous dis que le perso il est balourd, bah on l'a vu là, je suis tombé à cause de ça. Oh, il a un combo de deux flèches, ok, c'est bon, il a fini. Quand je vous dis que le perso il est balourd, c'est typiquement ce que je viens de prendre là. Complètement fait avoir. Je vais descendre. Je vais essayer d'éliminer le mob qui est juste là. Bon bah. On va vite éliminer l'autre. Il m'a pas vu? Je viens de massacrer un de ses alliés dans son dos, il m'a pas vu. Épée Harakiri. Merde, putain, je viens de récupérer... Pour le coup, Harakiri, je sais ce que c'est. Et je viens de récupérer l'épée avec laquelle la femme, c'est Harakiri. C'est pas forcément très joyeux. Allez, go. Finis-le. Ok, bon, j'ai rien compris à ce que j'ai fait, mais tenter de gérer mes combos, j'ai rien compris. Je vais pas vous mentir. À part cliquer sur clic droit, j'ai pas fait grand chose. Mais bon, c'est top, tout va bien. Pas l'air de faire attention à moi. Qu'est-ce que c'est? Utiliser raccourci. Ah bah enfin, il m'apprend à utiliser des items. Excellent ça. Changer raccourci. Shift 3 et 2. Oh. Ok, j'ai. Ça marche. Lui, je vais le faire. Je vais l'éliminer. Je peux pas les prendre par surprise. C'est vrai qu'on peut pas prendre les ennemis par surprise. C'est un peu bizarre. Récupère des objets légendaires. On est où? Je suis en train de looter des objets légendaires, genre vraiment. On est sur Fortnite ou quoi? Je vais prendre le stuff double pompe, personne n'est prêt.
armé, hein. Oh, ouais, frère. Je me fais one shot, vraiment. Attention. Allez, la première dizaine des morts. Let's go. Première dizaine. Ça fait 10 morts au programme. Oh, je me fais dégommer, ça dégoûte. Attends, là, je viens de clear tout le village pour mourir. Alors, honnêtement, sur deux coups de hache, d'un hormise. Faut que j'utilise plus mes élixirs. Hein. Je suis un idiot de jouer à l'économie. Allez hop. Ok, il y a une flèche qui est partie, mon pote. Ah, un coup, je voulais pas. Deuxième flèche qui est partie, faut que j'aille le chercher. Faut que j'aille le chercher, sinon il va m'embêter. Sinon, il va pleuvoir des flèches de feu pendant tout la traversée du village. Et ça, on n'a pas trop envie. Ah, d'accord. Il est tombé dessus, je suis mort. Ah, putain. Il est mort de chute, pardon. Tombé dessus, ça veut rien dire, ça. Eh, merde. Ok. Ok, donc il y a moyen de récupérer la posture plus rapidement que d'habitude. Ok, en fait, quand j'appuie sur Shift après une attaque, ça me permet tout simplement de récupérer plus d'endurance, mais il faut que j'appuie sur un bon timing pour améliorer ce bonus. Pour réussir à reconnaître le timing visuellement, et ensuite je vais le prendre avec les doigts, j'imagine. Il est mort de décès, complètement mort de décès. Le... Faut pas le casser, ça. Non. Manque de... d'agilité quand je tape. Bon, c'est peut-être parce que j'ai pris un katana qui fait 3 mètres de long. Peut-être pour ça que j'ai l'impression que mon arme est un peu lourde. Mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème et je refuse toute responsabilité vis-à-vis de ça. Allez, là, je régène de fou mon endurance, je crois. En appuyant bien sur le bouton Shift un peu plus tard. Ok. Hey, salut Panda. Dis le bonjour aux personnes qui arrivent. Ah merde, mais je suis de retour là. Oh. J'ai pas envie de prendre ça, sinon ça va faire respawn tous les ennemis. Donc ouais. Donc j'ai fait, allez. J'ai fait toute la partie qui est derrière cet endroit. Ça fait plutôt plaisir. Ça, c'est un raccourci. Donc maintenant, le but, ça va être de traverser le village. Maintenant que j'ai réussi à rejoindre les deux bouts, j'ai un peu plus le level design en tête. Ou du moins, juste la carte. On peut monter là-haut pour redescendre ici, c'est ça? Ouais. Donc la suite, c'est forcément par là, là où je me suis fait tuer. D'ailleurs, j'ai toujours pas ramassé mes âmes, j'en avais peut-être pas beaucoup. Alors, je suis peut-être mort deux fois de suite. Y'a rien là-bas? Ok. On va éliminer le monstre qui est là. L'animation, quoi. L'animation tue, chef, c'est pour me tuer. Bonjour. Non, y'a rien. Ah si, regardez, y'a mes âmes là. J'avais oublié. Je les avais complètement oubliées. Est-ce que je peux pas faire une attaque sautée sur le monstre là? Sur l'ennemi qui est juste ici. Si je fais une attaque sautée, il se passe quoi? Regardez. Loqué, non? Sur le papier, c'était cool. C'est juste que, bon. J'ai toujours pas trouvé la touche de saut. Allez, on va le grab. Et boum! Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, top. Bon, avec un peu plus de maîtrise, et quand on essaye d'esquiver un peu les attaques, bizarrement, on survit. C'est fou. C'est fou quand même, la technologie. Y'a rien derrière. J'espère que ça va me déliser là-bas, que j'ai raté un truc. Bon, ça doit être bon. Ça doit probablement être bon. Hop. Et, objet ici. J'ai du mal à repérer les objets, je sais pas pourquoi. En espérant que ça vous aidera dans votre quête de justice. Eh bien, merci pour ça, monsieur. Ah. On va y avoir un gros ennemi, là. Hein. Ça, c'est pour moi.
C'est vraiment bizarre cette histoire de revenant aussi là. Je sais pas si c'est du multijoueur ou si j'affronte des PNJ avec le stuff de joueurs peut-être. C'est bizarre. Après, il y a peut-être moyen aussi d'améliorer mon armure là tout de suite. Regardez, il y a plein de trucs qui sont affichés. Dans l'équipement, il y a quoi? Oh putain, d'accord. C'est un bordel, il y a trop d'armes. Chef, je peux améliorer mon arme. En fait, ah non, c'est... Comment ça marche? En premier, j'ai des points. J'ai jamais utilisé les points encore. Et donc, il y a des armes mieux que d'autres. On n'améliore pas notre arme, mais on ramasse des armes meilleures, c'est ça? Comment on peut glisser, classer, trier? Trier par... Ouais, par type d'arme, ce sera mieux. Attendez, donc là, j'utilise des points. Là, ces points-là, ils sont probablement meilleurs. Si je prends mon Odashi, là... L'Odashi, là, est probablement meilleur. Non, attendez, il y en a plein, là. Ok. Oh, les kicks que je mets, chef. Les kicks que je mets, chef. Les bonus qui diffèrent. Ouais, j'ai vu les bonus aussi, mais je vais les négliger pour l'instant. Je focus sur les stats. Enfin, il tank, hein. Ça tank, hein. Prendre de la vie parce que je sens que je vais m'en prendre une. Ok. On va récupérer tous les coffres. Après, il y a mon armure aussi que j'ai pas géré, évidemment. Quoi, mais... Ok. Ouais, c'est ça. J'imagine aussi que plus... Enfin, blanc, c'est genre objet normal. Jaune, ça doit être rare. Bleu, ça doit être... Non, c'est peut-être... Ouais, j'en sais rien. Vous allez voir un système de rareté aussi en fonction de la couleur. Comme sur Fortnite, quoi. Ah, on a le fameux... Une fameuse arc à arme à distance. J'ai jamais utilisé ça. Au niveau du stuff ici, en dessous, c'est les DLC. Au-dessus, c'est ce que j'ai ramassé. On va pouvoir changer d'armure. Changer d'armure. Avec des casques d'héritage, ça m'a l'air d'être le mieux. Taux de butin, j'aime bien le butin, moi. Ah, ça, c'est violet, donc ça doit être pas mal, j'imagine. Ça aussi, c'est violet, donc ça doit être pas mal. Donc, on va faire la rareté, ce sera plus simple. Là, j'ai mis une, faut trier. On peut trier en fonction de la rareté. Type, niveau, poids, récent, capacité, rareté. Et on est tout pour les pour le bling bling. J'ai évidemment préféré mettre des trucs rares. C'est sûr. C'est sûr, bien sûr. Merde, attends, j'ai peut-être pris... Oups. Ah merde, mais ça c'est un truc de DLC, je crois. J'ai pas le droit d'utiliser ça, on veut pas ça. On va prendre le truc de fantassin, ce sera mieux. Héritage, c'est quoi? Fantassin, vous savez quoi? Dans le doute, on va mettre un 7... Ouais, ça, c'est, je viens de le ramasser. Ça, je viens de le ramasser. Ça, héritage, c'est ce que j'ai ramassé. Arc long, et on est bon. Arme de mêlée, c'est ça. Raccourci, attendez. Attendez, attendez. Et merci, Zorg, pour le premier mois de Prime. C'est gentil. Merci beaucoup. Pourquoi pas les trucs de DLC? Bon, parce qu'ils doivent être pétés, je pense. Du coup, faut éviter de les utiliser. Sinon, ça va être trop facile, entre guillemets. Oh, mais l'épée Arakiri, c'est une épée que j'ai ramassée. Oh, épée courte utilisée dans le suicide rituel d'un célèbre général. Le Arakiri, également connu sous le nom de Seppuku, était un suicide rituel par éviscération effectué par une personne assumant la responsabilité de sa négligence ou pour montrer qu'elle regrettait ses actions. La personne commettait le Arakiri... Préserver son honneur en affichant sa détermination et en s'infligeant la punition ultime. Utilisez cet objet pour vous faire... vous perdez tout, mais vous conservez votre honneur. Vous perdez votre Amrita et retournez au sanctuaire le plus proche. J'ai moyen envie de Marikiri là tout de suite. J'avoue que je sais pas trop ce qui est au programme, quoi. J'ai bégayé un petit peu. J'espère que vous comprenez pourquoi, mais bon, bref. Là, tout de suite, je sais pas vraiment ce qui me tente. Mais merci de la proposition, c'est gentil. Wow. Ok, j'en ai assez vu. Menu d'objets. Oui, gérer les objets en votre possession, logique. Je dis qu'il y a un truc là. Veuillez aux dames, c'est ce que j'ai ramassé, ok. Apprendre des compétences. Oh là! Il y
y a un arbre de compétences. Venez ici pour apprendre. Le type de point de compétence doit correspondre à la catégorie de celle que vous souhaitez développer. Vous pouvez aussi consulter le statut des compétences acquises. Merde. What? Je comprends rien. Ah d'accord. Mettre des trucs où je veux? J'en ai pas, je crois. Ah merde, j'en ai là. Ah merde. En fonction de comment je joue, je peux débloquer des bonus, c'est ça? Point de compétence H, point de compétence samouraï, point de compétence Odachi, j'en ai deux. Point de compétence ninja. Ah, les points, j'ai pas encore utilisé, c'est vrai. En vrai, samouraï, ça a l'air d'être des points de compétence générales. Applique un effet spécial qui augmente les dégâts infligés par votre prochaine attaque. Oh, bah voilà, vous avez vu, ça a l'air d'être compétence passif. Il s'applique peu importe ce que j'utilise comme stuff. Là, c'est un bordel, il y a plein de trucs qui sont mis, je sais pas pourquoi. De base. Changer de posture de ki pendant une impulsion de ki réussie augmente la quantité de ki restaurée. What the fuck? Oh, c'est stylé ça. Attendez, je vais le mettre. Ça veut dire qu'on peut changer de posture, bam! Pour avoir plus de ki, ça tue. Ok, ça c'est juste une amélioration passive du truc que j'ai ramassé. Ça marche. Terre s'active lorsque vous récupérez tout votre ki après. Applique un effet spécial qui annule la consommation de ki de votre prochaine esquive. Même chose, applique un effet spécial qui annule les dégâts subis lors de la prochaine attaque que vous quand vous réalisez une parade. On va mettre le truc pour avoir plus de dégâts. Et là c'est tout, j'en ai plus. Ok. Et j'ai encore 3 points du coup à mettre ici. Lame jumelle, 2 coups rapides tranchants de bas en haut. Ou sur haute uniquement. Sur moyenne uniquement, esquivez l'attaque d'un ennemi, puis mettez-le... Oh, ça c'est ça. Saute par-dessus un ennemi pour le fendre en deux. Posture basse. Donne un coup puissant après avoir dégainé. Peut-être effectué uniquement lorsque vous trépez et dans son fur. Oh, ça c'est bien pour avoir un opener. Ça peut être cool. Ensuite, comme je suis souvent en posture moyenne, je vais prendre ça, je pense. Surtout que ça joue avec une esquive, donc ça va être top. Et il me reste un point. Ça, il me faut 2 points pour l'activer, c'est ça? Ah non, faut que je termine une mission pour l'activer, d'accord. Il me reste un point. Donc là, il n'y a rien à faire. Là, par contre, j'ai le choix avec ces 2 points-là. Plantez votre arme dans le sol et renforcez votre défense. Tape plus. Quoi? J'ai besoin de revoir la vidéo. Ah merde, c'est une giga garde. Salut Ilios, bien bonjour, bonjour à toutes les personnes sur le stream, que ce soit en lurk ou directement sur le chat. On est en pleine découverte et on passe en speedrun dans les alentours de 18h-18h30. Et pour l'instant, le début du jeu a l'air sympa, donc pas mal d'apprentissage à avoir, mais écoutez, c'est pas si mal, salut Kouli. En vrai, pour l'instant, j'aime bien. Permet d'enchaîner une attaque rapide pendant une posture haute ou basse avec une puissante attaque posture moyenne. Oh putain, mais en vrai, les variations de posture, ça a l'air trop cool, hein. Passer d'une posture haute, moyenne, faire des combos, enchaînement et tout, oh là là. Ça a l'air d'être vraiment aberrant. Et si ça peut mixer de fou comme ça, ça peut être vraiment bien. Ok, j'aime bien. Merde. Ce bordel. Pourquoi j'ai une sortie de dégénérer là? Wesh. Non, attends, j'étais en train de gérer ma sortie. Oh, allez. What the fuck? Oh, mais c'est l'attaque que j'ai débloquée. Oh merde. Oh, heureusement que j'ai une armure maintenant parce que celle-là, je pense que ça m'aurait une shot. Wesh! Mais je me suis fait dézigouiller! Hey! One shot incoming copium! Tiens! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon sang! You? Mais attendez, mais je suis revenu à l'autre bout du monde! Oh merde! Pas me TP à travers les. Oh! Attendez, je crois qu'il y a des stuff à faire. Déjà, faudrait gérer. Invoquer un visiteur. Non?
Non, 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 moi je veux pas d'invite de visiteurs. Y'a pas moyen de se téléporter un peu là? Rappeler l'esprit protecteur, ça fait quoi ça? Pas l'air d'être une bonne idée, bizarrement. Ouais. Ouais. On va aller à pied, j'ai compris la leçon. J'ai l'Odachi en place. Je sais même pas comment on passe sur l'arme au corps à longue distance. Je sais même pas comment je peux utiliser mon arc en fait. C'est vrai que j'ai débloqué un arc à un moment. Bon, je fais que passer, en fait, pas attention à moi. Faites pas attention à moi, j'ai dit. Eh merde. C'est pas par là que je voulais aller, moi. Elles sont là, mes âmes, chef? Chef? Je suis perdu? Chef? Ah, putain de merde. La team? Chef? Aïe! Ah, ah, merde, elle est là. Ok, top. On va l'ouvrir, ça. Oh! Ah, attendez, la team! Il est où le feu que de... Ah! Oh merde. Merde! L'avantage c'est que je peux tous les zigouiller assez facilement. Parfait. Bon. J'ai rien compris à ce qui s'est passé, mais bon. Aïe. Une petite... Ok. En fait, j'ai essayé de changer ma... Attendez. Ah, c'est genre... Hop. Hop. Comment on fait pour changer la... Attendez. Tiens, y'a un truc. Ok, ok, ok. Bon. Écoutez, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Et je suis perdu. Tout ce que je sais, c'est que je vais éliminer ce truc. Oh. Vouloir me faire one shot. Ça dépend. Je peux récupérer mes armes au moins? Ouais, je suis à 3000. Ok. Wouah. Merde. Oh, j'ai plus de soin, j'ai plus rien. J'ai mal en plus. Merde. Oh merde hein. Giga attaque ça. Ouf, belle esquive. Allez, je suis mort. Oh, vas-y gros, il m'a vraiment grave. Ah. Ah, ah. Hop là, nouvelle mort. Et je réapparais toujours à l'autre bout du monde. Quel enfer. Faut vraiment que je rechoppe, que je chope l'autre sanctuaire. J'essaie de passer par l'autre côté. De mémoire, ça va me permettre d'atteindre un autre sanctuaire et je vais un peu mieux me repérer. Parce que là, je comprends rien. Je comprends rien du tout. Mais en tout cas, c'est sûr, faut que j'élimine ce monstre puisque ça va me donner un bonus. Après, je pourrais aussi me transformer en bête, j'imagine. Que je vois que plus je meurs et plus je perds ma barre de bête. Donc c'est un truc qu'il faut que je fasse dès que je peux, en gros. Je comprends bien. Voilà, c'est ce sanctuaire que je cherchais. Hop. Parfait. Maintenant, on enchaîne avec... Ça, je peux pas y aller, mais à mon avis, c'est là... Si, une fois que j'aurai battu le monstre, ça va me permettre d'aller par là. Salut. J'ai rien. Allez hop, esquive. Normalement, je peux passer par là. Ouais, des élixirs, j'en drop partout en fait. Oh, c'est chiant. Oh, il y a un item là, je l'ai pas vu. On va nettoyer la zone, hein.
m'a pas touché, nice. Ok, j'essaie de lui mettre un coup critique, hop. On régène l'endu, hop. Oh, il m'a dégommé, hein. J'ai un full combo, chef. J'ai un full combo, j'ai rien compris. Des élixirs, bon, j'aurais probablement dû prendre un élixir et ensuite en récupérer, mais je me suis trompé. J'ai mes âmes juste là, j'en ai combien? Âme en place, 2865, top. Là, il y a le fameux ennemi qui me cause quelques problèmes. Tout est clair autour de moi. Je pense qu'il est l'heure de la bagarre. Alors, j'apprécie moyennement ce qui s'est passé. Je récupère l'endurance. En fait, j'essaie de jouer en spacing puisqu'il n'a pas l'air de taper très loin. Bah, j'ai de l'endu, j'ai pas le choix. Je peux transformer en bête. Je peux transformer en bête un peu pour voir. Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Je peux taper comme un fou, non? Complètement. Ouais. Transformer en bête, t'as l'air d'être fort. Je consomme ma barre. Comment j'arrête? Ah, bon, bah, j'ai niqué toute ma barre. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Salut, Côtelette. Pas mal, pas mal. Donc vraiment, ma dose de bête. Après, il y a un truc qui est en train d'augmenter. Là, je sais pas si je peux, je vais pouvoir le refaire après ou pas. Mais à voir, quand j'ai des ennemis qui me causent un peu des problèmes. Ah bah, c'est pas le raccourci juste à côté de... Ah si, il est là, le sanctuaire. Ah, on le voit là-bas, là. Hop. Donc, vous savez quoi? Hop, petit repos, c'est l'heure. Donc, je pense qu'en vrai, je peux... Dès que j'ai un ennemi un peu compliqué, hop, je sors ma bête et je dégomme le monstre et c'est un banger. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, dis donc. Mais ça se trouve, c'est même pas efficace. Genre, ça se trouve, ça monte même pas super bien les PV, ce truc-là. Pas du tout. Je ne sais pas du tout. Yo, le pont. Bonjour à toutes les personnes présentes sur le stream, évidemment. Oh, on peut parler à travers les gens. À travers les portes. Bruit de lanterne, d'accord. Ok, il m'a donné des fruits de lanterne. Alors du coup, quand il y a des maisons avec des fenêtres, enfin des portes comme ça allumées, je peux probablement déclencher des dialogues, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Ok, bon allez, on va continuer. La suite, c'est par là. Et on a commencé à faire un gros tour de la zone. Maintenant, j'aimerais bien affronter un boss. On n'a toujours pas vaincu de boss, si je dis pas de bêtises. Allez hop, ça dégage. Récupère cet objet. Top. Salut Oran. Qu'est-ce qu'on a par là? Un cul-de-sac. Avec absolument rien à part ce truc. Ok. Et on a Thurb qui prend le deuxième mois de tier 1. Merci beaucoup pour ce deuxième mois de soutien, c'est gentil. J'espère que tu passes une merveilleuse journée. Mais écoute, la journée se passe plutôt bien. Actuellement en train de découvrir Nioh. Oh, il y a un truc là. Les priorités d'abord. Aïe! Bordel de merde! Eh ben. Je vais aller le chercher. Dégommer. Yo, faites pas attention à moi, je fais que passer. Aïe. Putain, les dégâts qu'ils font, hein. Les dégâts qu'ils font, chef. Oh, les dégâts qu'ils font, chef, c'est dinguerie. Sérieux, c'est des trash mobs et ils me tuent en deux coups! Oups. Hop là. Allez, on y retourne, c'est pas grave. Je vais me venger. Je vous le dis, je vais me venger. Ok, top. Lui, on l'élimine. On récupère toute l'endurance. Et on va s'en prendre à l'archer. En passant vite fait sur le côté, là. Si j'agis rapidement, normalement, il n'y a pas de raison d'avoir des problèmes. Là, il va mourir des dégâts de chute.
mais les... en plus il a pas de pantalon quoi. Il a des dégâts de chute aussi j'imagine, non? Bon bah, on va régler ça. Parfait. Oh. Je vais mettre quelques coups. On va passer en attaque puissante et je pense que si je bourre... Hop, on peut éliminer le monstre sans problème, c'est bon. Cette rencontre, c'est terminé. Tout le monde s'est fait éliminer. Il y a un truc là. Merde. Oh, mais il me suit. Oh. T'es avec moi ou pas? Oh, il s'est TP. Bah, il y a un truc qui me suit. Oh. Oh. Quoi? Ah, maintenant, il a des boules. Enfin, il a des pics. Et là, on est dans le fameux monde yokai, c'est ça? Il y a un feu. Oh merde. À cause de la souillure. Ça, c'est fermé. C'était mal. La petite boule, frère, qui me suit, elle me fait trop rire. Alors, bon. Bon, si j'ai bien compris. Il faut éliminer la souillure. Pour ça, faut probablement taper des ennemis. C'est toujours la solution. Oh, il tank, hein. Ah ouais? Eh hey, oh! C'est pas mon pote, hein. Bam! Ok, j'imagine que c'est pas mal. Salut Boav! Salut Rolim! Bien le bonjour, bien le bonjour! Oh! Sorti de la souillure. Eh, hey, la petite boule, elle est redevenue normale. Merde! Le paille! Oh! Bah, ma boule, elle a disparu. Rassurez-moi, il n'y a pas de TK quand même. Genre, je viens pas de dégommer la boule qui me suivait. Genre par hasard. Rassurez-moi, y a pas du TK quand même. Un peu étrange, mais bon, c'est pas grave. Oh non, Bibou. Bibou, il a disparu, il s'est fait péter la gueule. Oh non, Bibou. C'est marrant, il a disparu vraiment au moment où j'ai tapé dessus. Oups. Et on a Milgou qui prend le deuxième mois de tier 1. Merci beaucoup pour ce deuxième mois, c'est très gentil, merci beaucoup. Ok, je pense qu'on est bon. Alors. C'est la souillure qui bloque. Comment on peut enlever la souillure? Bah à mon avis c'est lui qui génère, on va pas se mentir. On va pas se mentir, faut pas être back plus 5 pour deviner ça je crois. Je suis en quelle posture là? Faut que j'essaye d'alterner entre les postures. Et bon bah... Hein. Allez go. J'ai une musique et tout. Je me bats contre un singe. Monkey, monkey! Aïe! Oh! Oh! Ah, Vivi! Putain, j'étais bloqué, je pouvais pas esquiver. Il m'a bloqué et il m'a gravé, il m'a dégommé. Enfin, j'ai rien compris à ce qui s'est passé, mais c'était pas des bonnes choses. Ok, on y retourne. Ok, c'est pas par là, pardon. Pour reprendre la porte. Mais là, dans tous les cas, pas de choix. Tout ce que j'ai à faire, c'est éliminer cet ennemi. Et je peux pas esquiver, c'est sûr et certain. Je vais devoir... faire tomber la bestiole. Est-ce qu'on est bon? Oui, je pense qu'on est bon. Oh, je vais éliminer les petits trucs encore. Wesh. Wow. Oh, mal, hein.
Ok. Et je viens de capter en fait comment on régène l'endurance. J'ai plus de vie, chef. Épargnez-moi! Ah, bordel. Meurs pas, je t'en supplie, meurs pas. J'avais plus de posture. Du coup, j'étais complètement fait comme un rat. Bon, je m'en sors, je sais pas comment. Hein. Là, j'imagine que je peux l'enlever en faisant... Ouais, en retrouvant ça. Ok, il y a de la thune par terre, on va ramasser. J'ai perdu tous mes heals. Hein. J'ai perdu tous mes heals alors que j'ai même pas affronté l'espèce de boss qui crée la malédiction. Il y a pas... Oh. Il y a pas genre au moins... Oh là 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 là. Genre j'ai pas genre au moins un truc qui m'aide là. Sérieux, j'ai... Oh. Eau ayant coulé dans le cœur d'un sanctuaire, la boire permet d'accélérer la restauration de ki, donc d'endurance, durant une courte période. Oui, ça c'est des herbes, mais bon, ça va pas m'intéresser. Moi j'aimerais bien me soigner, mais malheureusement j'ai plus aucune solution de soin là. J'ai littéralement plus aucune solution de soin. Comment je peux essayer de me débrouiller là? Bon bah écoutez, YOLO. Wesh. Oh, j'ai mis pas mal de dégâts, mais pas assez, hein. Ah, il fait aussi sa attaque, d'accord. Il a point de vie. Du coup, ça, c'est une bonne chose, parce que je vais pouvoir le cycler comme ça, non? Ouais, regardez. Je peux le cycler comme ça. Là, je vais me le prendre. Vas-y, envole-toi. Envole-toi, grand. Ah, bah, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce qu'il fait? Eh, bah, oui, mon gars. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'envole dans les airs? Évidemment. Eh, bah, j'ai juste eu à bait. 100 fois la même attaque. Et comme prévu, t'as l'air d'avoir enlevé la malédiction. Et donc, je vais pouvoir récupérer le sanctuaire qui était juste derrière. Top. Aucun problème. Parfait. Le coffre, je peux maintenant l'ouvrir. Ça m'offre des armures légendaires. Plus c'est légendaire, mieux c'est, évidemment. Clé du sanctuaire intérieur. Et ça, c'est une clé qui va me permettre d'accéder à la suite de la zone. Top. Et top. Allez, on va se faufiler vers la suite. Le fameux sanctuaire, le voilà. Et la clé. Ah, bah d'ailleurs, je vais pouvoir level up, là. 4000 âmes, en vrai. L'option suivante a été débloquée. Faire une offrande. Bazar Kodama. Rien à ça, moi. What? Vous pouvez désormais activer l'auto-achat. L'achat auto, pardon. Pour certains objets. Cela permet d'échanger automatiquement tout le riz céleste que vous possédez contre la quantité maximale possible de l'objet désiré. Par exemple, des élixirs, j'imagine. Ouais. Puisqu'on est d'accord, la seule option de soin, ça a l'air d'être l'élixir. Invoquer un visiteur. Merde. Pas de mauvaise touche. Des flèches pour mon arc. Améliore votre vitesse de régénération. Ok. De qui? Et dissipe les émanations du royaume yokai. Salut Babouin. Comment ça va, la forme? Mais regardez, il y a des machins là. Ah non, c'est un arc, pardon. Putain, je suis con, j'étais en train de regarder le. Putain, je suis bête. Arc long à récupérer. Donc, il y a même des armes qui sont parfois proposées. Mais ça coûte des thunes. Les élixirs, ça coûte combien? Bah, ça coûte pas de thunes, ça. Ah non, ça coûte des thunes. Ah non, en fait, j'ai trois espèces de sanctuaires. Plus. Ok, plus des thunes. Donc, ça en soi, je peux même pas me l'acheter. C'est le fameux riz céleste. D'accord. Pourquoi il y a plein de molécules partout? Ah, bah moi, forceur. Pourquoi il y a plein de molécules partout dans les pseudos? Tout simplement, pour toutes les personnes qui souhaitent rejoindre l'armée du laboratoire, n'hésitez pas à rename votre pseudo. Donc, vous faites un rename Twitch. Vous mettez tiré du bas, suivi de la molécule
de votre choix, écrite en formule brute. Fait qu'on se retrouve avec Dr. Pym, avec le C19, H28, O2, et tant d'autres qui sont là. Mais je vois, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de molécules dans leur pseudo. N'hésitez pas, si vous voulez rejoindre l'armée du laboratoire, à complètement mettre une molécule dans votre pseudo, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Rejoignez l'armée. Alors, ces histoires-là. C'est où mes points de vie? Vie plus 25. Est-ce que par hasard, plus 40. Ah, la constitution, ça augmente plus de vie. Ça aussi, ça augmente de la vie, mais légèrement. Le courage aussi un petit peu. Mais la constitution, c'est plus 40. En plus, ça augmente ta défense aussi. Hein. Donc le poids max, c'est peut-être pas quelque chose que j'ai vraiment besoin d'améliorer. Bon, je vais augmenter l'endurance à 10 parce que ça me stresse de pas avoir des multiples de 5, évidemment. Évidemment. Mais après ça, je pense que ce sera mieux d'améliorer peut-être la constitution pour avoir un bal de vie. Après, il y a peut-être la force à augmenter un peu plus pour avoir plus de dégâts et la dexté, puisque la dexté, ça a l'air de permettre d'augmenter ma vélocité, même si je suis pas sûr en vrai de vrai. Ouais, la dextérité, c'est peut-être plus associé à ces deux capacités-là. C'est peut-être un peu de la magie, en fait. Parce que là, on a une stat de magie qui doit augmenter ces trucs-là. Ninjutsu, ça doit être la deuxième compétence de magie. Genre, ninjutsu, ça a l'air d'être un peu la foi dans Elden Ring. Et la magie, c'est la magie classique dans Elden Ring, c'est l'intelligence. Il y a l'air d'avoir ces deux trucs ici. Donc tout ça, on s'en fiche. Ninjutsu et Onmyo, on s'en fiche. Impulsion de ki, point de compétence de Samurai, ça a l'air d'être intéressant. Et après, c'est des stats classiques. Ok, je commence un peu à décrypter les menus, je sais pas, enfin décrypter. À m'habituer avec l'interface. Pas si je suis dans le bon, mais bon. Allez, clé des sanctuaires. Clairement par là, la suite du jeu. Ok. Oh, il y a un truc là. D'ailleurs, faudrait que je les mette. Je dois en avoir plein des petits machins là. Comment les c'est ça? Quoi ça? Bonus? Pas ça. Cœur? C'est pas ça. Merde! Bon, je sais plus où c'est, mais une offrande peut-être. Ah merde, c'est là. Ça les a mis automatiquement. Ah non, c'est que j'ai choisi celle-là. Et je peux mettre augmentation du taux de butin d'équipement. Augmente la... Oh, la quantité de thunes, moi j'aime bien l'argent. Taux de butin des matériaux. Dis-moi, je veux des thunes, chef. Et bim, comme ça change de bénédiction et j'aurai 5% de plus d'argent. Top. Je connais pas du tout le jeu. Et bah moi non plus, Flama. Je suis complètement en train de le découvrir. Et franchement, c'est plutôt sympa. Hop. Yo Emilio, comment ça va? Puis en live jusqu'à quelle heure? Alors jusque 18h30, je suis sur Nioh. Et ensuite, je vais faire toute la soirée sur du speedrun de Dark Souls 3. Donc je joue toute la soirée jusqu'à 1 à 2 heures du 2 à 3 heures du matin, pardon. Tout simplement. Ok, bon. Alors. Hop, top. On peut passer à la suite. Alors on continue de nettoyer les zones, évidemment. On va grimper en dehors du village pour accéder... Ah, peut-être la deuxième zone du jeu. On n'a pas eu de boss, tiens. Oh, cinématique. Ah bah, peut-être que je vais être servi, tiens. Alors, ça a l'air d'être une arène assez ronde. Oh oui, bah, c'est forcément une arène de boss. Cinématique comme ça, circulaire, un arbre au milieu, mon personnage qui apparaît. C'est forcément un boss. Le premier du jeu, du coup. Oh, c'est Ludwig. Ludwig, the Holy Blade, en phase 1. Oh, les cinématiques à 30 fps, ça fait mal. Hein. Surtout quand tu fais tourner le jeu à 120 fps entre deux. Bonjour. Ah bah, on dirait le même que tout à l'heure. Mezuki. Oi, oi. Oh putain, d'accord. Bonjour, d'abord. Contre-explosif, appuie sur R au bon moment en réponse pour une attaque 1.
Oh. Ok, ça a l'air d'être l'espèce de monstre que j'ai affronté tout à l'heure, mais en version améliorée. Ok, les dégâts sont ridicules. Ouais, c'est les mêmes combos. Wesh! Ah! 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 Arrête! Pas de moi, pas de moi! Et en vrai, faut que je donne tout pour le first try, hein. Il en va de mon honneur de speedrunner! Il en va de mon honneur de... Olé! De joueur sous like! Il faut que je first try ce trou du cul! Ok, c'est bon. C'est pas grave. C'est parti! Ouais, bah... Yaï. Aïe, 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 merde, rip mon honneur. Utilisez une bougie d'invocateur pour faire sortir votre esprit protecteur de la tombe qui te protège avec l'Amrita et les noyaux d'âme dans réserve. Ah, c'est quoi cette histoire de contre-explosif, là? Espace plus R, consomme un d'anima pour déclencher un contre-explosif qui varie selon l'esprit protecteur actuellement. Ouais, je comprends rien, chef. Moi, j'aurais peut-être dû me transformer en démon pour l'affronter. C'est vrai qu'il faut que j'y pense, mais je peux probablement me transformer en démon parfois. Et au moins le feu il est à côté du boss. Ah merde. Ouais bah je comprends rien. Appuie sur espace plus R au bon moment. What? Un, deux, trois. Y'a pas mes âmes. Tous mes âmes. Pourquoi j'ai plus d'âmes la team? Ah ça va vite hein. Ouah je fais y crever. Oh c'est lui. Ah il m'aggrave. Arrête. Faut pas passer dans celle-là. Hein. On va te faire du strap. Je vais essayer de récupérer l'endurance. Et là, je peux me transformer. Il me propose de le faire d'ailleurs. C'est invincible. Et là, du coup, je peux y aller comme un bourrin. Je sais pas ce que je fais, mais moi, j'aime bien. C'est pas un délire où j'ai un pouvoir. Wow. Bah, j'ai mis un giga combo. Oh, oh, non. Hop, hop, hop. Oh, oh, je suis bloqué. Ok. 1, 2, 3, on peut y aller. Ah, oh, j'ai plus d'enduit. Ha, ha. Oh là là. Peut-être d'enlever ces zones. Je récupère l'enduit vraiment. Non, oh merde, je déteste cette attaque. Arrête. Laisse-moi tranquille. Potion. J'ai passé ma posture en médiane. Ouais bah, hein, ouais. Oh bah. T'as des goûts, gros. Il m'a fait une charge, il triche. Il triche! Aïe aïe aïe! T'es un tricheur, oh! C'est une dinguerie de tricher comme ça! C'est une dinguerie! Ah! On y retourne! J'ai tout vu, il y a carrément faute! Il a carrément triché! Ah, en fait, mes âmes elles reviennent automatiquement quand je reviens! Ah, ça c'est bien ça! Je viens de voir mon loup me sauter dessus! Merde, j'ai peut-être oublié de me soigner! Ouais. Oh d'accord, il faut une troisième, d'accord. C'est un grave ça. C'est une réponse explosive là. J'ai essayé de faire l'attaque explosive qu'il arrête pas de citer, mais... Troisième, on y va. 1, 2, 3.
ce bordel. La phase 2, chef. La phase 2 que j'avais skippé parce que je m'étais transformé en bête. Mais là, je peux pas me transformer en bête si je dis pas de bêtises. Oh, ça dégoûte cette attaque. C'est celle qui m'a tué tout à l'heure. 1, 2 et 3. J'ai plus d'endu. Je peux me transformer en bête. En vrai, go, non? C'est parti! Allez hop! Oh bah en plus, il bouge pas. Allez, prends ça. La technique, ça va être taper. Regardez. Hop, attaque chargée, s'il te plaît. Merci. Bim! Qu'est-ce que tu vas faire? Hop, hop, taper. Et voilà, terminé. Comment je fais? Oh! Voilà, bim! Il y a un petit sur à mettre. Et voilà. Non, mais en vrai, ça joue à fond. Ça joue à fond sur la transformation. Vous avez vu la puissance que j'ai quand je me transforme? Je suis invincible. Je mets des dégâts aberrants. J'ai une hyper armure de fou, ce qui me permet de faire des combos infinis. Super. Oh, il y a une phase 2. Ah non, c'est moi qui deviens fou. Shampoing là. OMG, c'est mon homie. C'est mon homies, la team. Il y a mon homies avec moi. OMG. Oh, mission terminée. Et avec un petit noyau de boss. Merci pour ça, c'est gentil. Oh. Ok. Pas mal. Oh merde, on peut se barrer. Oh, j'ai plus rien à faire de toute façon. On peut sortir au moins? Non. Mais je peux même pas sortir. Bon bah je pense qu'on est parti pour la suite. Hein. Écoutez, au moins on aura réussi dans cette première session à faire toute la première zone du jeu, toute la première mission. C'est déjà pas mal. J'ai absolument jamais testé mes coups de poing d'ailleurs. C'est le même délire de posture aussi. Sur hot. Ok, oh, vers le bas, oh, OMG. Oh, stylé. Oh, quand je regagne, ça fait quoi? Oh, ça fait qu'il se calme, ok. J'étais en train de tester les animations là comme un fou, ça a mis bien. Allez, on termine la mission, chef, si j'ai bien compris. C'est ce qu'il faut effectuer, j'ai pas le choix. C'est parti. Wesh. Mais wesh, c'est trop classe comme présentation. Moi, je veux faire ça, moi. Eh, moi je veux faire ça aussi. Je veux avoir une fiole avec marqué Kemis dessus et quand on me demande t'es qui, bam, je monte la fiole, mon pote. Ouais, incroyable, incroyable. Oh le banger. Oh le banger. だけど宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。ピバイセ信念だとか寛容だとかそんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。
de bien belles paroles. Ouais, pour l'instant, j'aime bien Ghostly. Pour l'instant, ouais, le jeu, il a vraiment la classe. Ça, d'où est-ce? Yesh, d'où c'est, il faut que tu m'aides, là. Quoi, y'a? Chicache, c'est bien, là. Anna, go, tu y n'as. De, je ne sais pas, non, qu'à vaquer. Asma! Le style de ton perso me fume, mec. Mec. OMG, c'était la scène d'introduction, OMG. L'écran titre qui est super bien introduit, OMG. Se lier d'amitié avec Tokichiro, nouveau succès pour le chemise, let's go. Possédé par Mazaru via la division de l'esprit. Parfait pour s'arrêter les 18h. Ouais, je pense qu'on n'a pas meilleur timing pour s'arrêter. Allez, ça sera tout du coup pour cette session découverte sur Nioh. J'espère que ça vous a plu, évidemment. Comme moi, j'ai bien rigolé et ça fait du bien de faire une petite pause et jouer à autre chose. Que, bah, à part jouer à DS3 pendant ces 5 derniers mois, bah, j'ai joué qu'à DS3. Mais du coup, ne pas jouer à DS3, ça m'a manqué. Et je pense qu'il est donc l'heure de lancer le jeu. Ah, pour des nouvelles runs avec l'esprit serein. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte vite fait? Le village des printemps maudits. Il semble que l'augmentation continuelle de yokai est due à cette guerre sans fin. Et Mino n'est pas le seul à tomber en ruine. Les combats incessants de samouraïs se sont étendus jusqu'aux provinces d'Owari et d'Omi. Mais c'est l'occasion parfaite de nous faire un nom. Avec mon intelligence et votre force, sûr que nous pouvons venir à bout de n'importe quel obstacle. Obstacle, pardon. Je compte sur vous, il dit. Ok. Les noyaux d'âme ont été purifiés après avoir... Oui, bam, ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Ah, mais c'est un autre. Oh, niveau 10. Qu'est-ce que je fais? On va voir la vidéo, ce sera plus simple. J'ai une grosse lame. Une grosse lame, hop, je mets un petit balayage. Ok, je mets je mets le balayage du boss, en fait. Oh, regardez, j'ai les deux. Oh, je sais absolument pas comment utiliser ces trucs, mais... Oh, j'aime bien. Oh, salut Vanoxys! Ah, il parle des âmes en fait. Bien d'esprit, c'est les âmes. M'introduit la prochaine mission là. Je m'appelle Idi, tiens. Ah, elle est stylée la carte, j'aime bien. J'aime bien l'effet de la carte. Eh, arrête, je veux arrêter le jeu là. Mais où est-ce que tu m'envoies? Arrête! Ah, c'est bon, ouf. Je crois qu'il allait m'emmener je sais pas où. Ok. Et B, au plaisir. Oh. Oh, mission principale, il y a des missions secondaires qui sont notées telles quelles. Oh. Ok, bon allez. Est-ce comment on sauvegarde? Merde. Au secours. Est-ce que je peux avoir du backseat sur la sauvegarde? Comment ça marche? Il marche comment le système de sauvegarde, chat? Vous avez une idée ou pas? Ah, GG pour le sponsoring, Vanoxys, OMG. OMG, GG. Comment on fait? Il y a une touche pour save dans le menu. Il
automatique. Le jeu sauvegarde tout seul à chaque fois que tu finis une mission ou passes dans un sanctuaire de mémoire. Ah, bon bah ok, top. Allez hop. On peut donc revenir au menu principal sans problème. Et donc, on est bon. Oh, il me met la cinématique tout le temps. Arrête de marceler. Ok, bon voilà, c'était la première session sur Nioh Chat. J'espère que vous avez apprécié, évidemment. Et donc, écoutez. On reprend ça dès demain, je pense. Comme d'habitude, même horaire. Demain, 15h, 18h. Là, maintenant, il est temps de passer sur le contenu principal du laboratoire. On a terminé cette première partie de synthèse de découverte. Passons maintenant dans le laboratoire. Producteur à production de PB.